problème. Aujourd'hui, les amis, vous le savez, nous sommes mercredi, nous sommes en stream libre. Aujourd'hui, on va sûrement faire plusieurs choses, mais la première des choses que nous allons faire, c'est terminer l'album, d'accord ? Il nous reste Chronopost, on a déjà fait deux couplets, ça marche très bien. Hier, j'ai fait voter les gens, j'ai fait voter des potes à moi aussi sur la chanson, etc. Voilà, on va aller faire du Suno aujourd'hui. Et ensuite, soit on voit si on en fait une autre, soit on part sur autre chose. Est-ce qu'on continue un peu de Pokérock ? Je suis dans la Pokédrogue, les gars. Est-ce qu'on lance un autre jeu ? Je sais pas, vas-y, on écoute notre cœur. On est très bien. Sortie vinyle de prévu, on en a parlé hier aussi, mais je peux vous refaire le point encore. Encore là-dessus, on attend l'info. Alors, c'est Casu hein, qui le contacte, si vous voulez, avec le label et tout ça, là, qui s'occupe de leur écrire et tout ça. D'ailleurs, je dis à Casu, aujourd'hui, je lui fais bah, « En fait, Casu, ça n'a pas généré un peu de thunes, là, depuis le début, tout ce qu'on a mis, tu sais, sur Spotify, les chansons et tout ça, machin ?» Et bref, on rigole, je dis « Peut-être on est multimillionnaire. » Non. Et je lui dis « Honnêtement, si on a déjà généré 10 balles, c'est le bout du monde. Sachez que... » On a généré quand même la somme folle, Simple Pipe, hein, un groupe qui va pouvoir en vivre bientôt, la somme folle de 13,50€. Voilà, sur l'ensemble de son œuvre, Simple Pipe déjà, sur les plateformes payantes, c'est 13,50€ de revenus. Voilà, donc il y a un moment où je vais peut-être arrêter de streamer et me mettre à fond dans la musique. C'est ce que je veux dire, d'accord ? Coucou Gigi sur Deezer, je trouve que Pipé, pas les autres. C'est pas possible. C'est pas possible, Mister Jack Gaming. C'est impossible. Normalement, il y a tout sur toutes les plateformes à chaque fois. Qu'est-ce qui se passe ? Millionnaire, sa vie ici, hein ? Vie de débauche. Salut BVS à toi, frérot. Je sais pas après sur quoi on partira, mais on va déjà finir un chronopost. Après 2 mois et demi de full Gigi quasi non-stop, je suis en télétravail. Je peux dire que je suis à jour. J'ai maté les 6 dernières années de Jiraya et tout. Jiraya replay, mais waouh ! Mais t'étais un prouveur ou quoi, Antoine ? Un peu triste de plus rien avoir. Je commençais à être drogué, mais je suis au top des rêves désormais. Moi, en fait, tu t'es mis à jour. Mais waouh, t'as dû en bouffer. Tu dois peut-être même me détester, Antoine, en fait, à ce niveau-là. Antoine Manson, ça me fait vraiment plaisir que tu me kiffes à ce point. Très très, aucune douche on a été prise entre temps. Bah ouais, Casu, attends, partage-leur sur Deezer, il y a tout les gars, il y a tout, bien sûr qu'il y a tout, d'accord. Je fais une confidence, je comprends rien au jeu ni les délires des cartes et je comprends pas pourquoi ça vous procure autant de joie, mais les réactions sont tellement incroyables. Je suis une meuf, le cliché. Bah non, tu sais qu'il y a plein de meufs, mémé, qui kiffent vraiment ouvrir. Bah moi, c'est le cas de ma femme et tout, mais il y a plein de meufs qui jouent à Pokémon, qui collectionnent Pokémon, etc. Donc il n'y a pas vraiment de cliché là-dessus. Par contre, oui, il y a des gens, je sais qu'il y a des gens, et c'était pareil pour Summoner's War, parce que bah, ça reste un gacha. Il y a des gens qui n'en ont rien à foutre, mais qui aiment bien regarder les live ouvertures. Parce que même si eux ne le feront pas pour eux, etc., et que ça les intéresse pas, c'est plus le côté ouverture. Est-ce qu'il va y avoir un truc de dingue ? Et genre, j'y étais, j'y fus, tu vois, sur le chat, tu partages ce moment avec les gens et tout. C'est vrai que c'est cool pour ça, parce que les openings en général, même si tu n'y comprends pas grand chose, c'est jamais compliqué. C'est-à-dire qu'on te dit, ok, pour Pokémon, si ça brille ou si c'est pas la même carte, ça veut dire que c'est un hit et c'est cool, et ils recherchent ça. Et si ça tombe, c'est fou, tu vois. Voilà, globalement, c'est ça. Et Summoner's War, bah, c'était tout ouvre. Bah, si t'as un perso, il y a 5 étoiles au-dessus, bah, t'es trop heureux. Voilà. Et c'est vrai que ça marche, c'est vrai que ça marche bien pour ça, donc très bien, trop très bien, c'est très bien. Dès que t'entends alerte 8, tu regardes ton écran, mais c'est ça, dès que t'entends alerte 8, tu deviens fou quoi. Ouais, c'est vrai qu'on l'a créé quoi. D'ailleurs, alerte 8, vous commencez normalement à recevoir vos commandes, des nanani, des nananas. J'ai un mic-up format des envois, il envoie. La V3 évidemment, c'est octobre. On va faire un live sur Whatnot aussi, je vous tiendrai au courant avec pareil le lien pour que vous gagniez 15 balles sur Whatnot. On refera un drop, mais on va sûrement monter un peu plus les box au lieu d'en proposer 20 pour ceux qui n'ont pas eu accès à la V3 parce que c'est parti aussi rapidement en rupture. Quoique, la V3, vu que le site avait beaucoup crash, etc., c'est pas parti de suite en rupture. Franchement, il y avait du temps, on avait mis pas mal de stock. Donc ouais, effectivement, vous serez assez tranquille là-dessus. Mais pour ceux qui n'ont pas eu accès à la V3, on fera un live avec certainement au moins 50-60 box. Voilà, je vous le dis, voilà, vous serez bien contents. Tout simplement. La gige dans le journal, bah, on vient de le lire, mon pote. On vient de le lire, frérot. On vient de lire Tour à la Rediff, d'ailleurs, en entier. Donc voilà. Vinyle Simple Pipe, mon rêve. Alors oui, bah tiens, on en a parlé hier, je vous refais le point ici. Bah tiens, au moins Casu il mettra ça dans la rediff Suno. Je pense que je vais ouvrir Suno et je vais vous faire le point là. On va faire cette discussion, on est en attente de réponse, mais je vais vous réexpliquer tout ça. Hop, pour Suno,
Tac, let's go. Create library, like the sound, song, et on est bien. Je vous passe là-dessus. Voilà, très bien. Les petits amis, nous allons terminer Chronopost aujourd'hui. Et quand Chronopost sera terminé, l'album sera techniquement terminé. Évidemment, on a dit qu'on finissait là-dessus. Voilà, je pense qu'on va vraiment finir là-dessus. J'ai pas envie de rajouter blablabli, blablabla. Voilà, voilà, voilà. Ouais, j'ai dégainé le t-shirt Chaos, Chaos. Voilà, c'est Uniqlo acheté en Corée quand je n'avais plus de valise. Bref, on s'en fout. Nous finissons Chronopost, l'album sera terminé, sublime, toutes les chansons sortiront pour celles qui sont pas encore sorties, etc. sur toutes les plateformes en même temps, tout sera sous la bannière de l'album Jiraiya Simple Pipe, ok ? Hier on en a parlé un petit peu, mais pour ceux qui n'étaient pas en live, j'en reparle aujourd'hui, puis au moins ce sera dans la rediff. Vous savez qu'on avait pour projet, pour le Lodge, pour taper des barres, ok, de sortir un objet un peu collector autour de cet arc d'été, hein, estival au final, autour de Suno, sortir un vinyle. Ça peut être très cool. Je sais qu'on a la possibilité de le faire via notre distributeur qui nous permet de mettre ça sur Spotify, etc. / label. Voilà. Pour vous donner un peu les conditions, ce qui est pas mal, c'est que ça fonctionne à la précommande. On attend des réponses pour savoir quelles sont les quantités minimum, quel sera le prix. Voilà, en fonction de tous les trucs qu'ils peuvent nous proposer, etc. Voilà. Mais c'est possible qu'il faille, je vous dis n'importe quoi, peut-être 100 précommandes, j'en ai aucune idée, tu vois. Il faille au minimum 100 vinyles, en tout cas, qu'ils produisent, etc. Ça, je dois voir avec eux. Voilà, on en a longuement parlé hier, donc j'ai pas envie de refaire tout un sujet là-dessus. Mais le projet, c'est quoi ? On finit Chronopost. Ensuite, moi, je vais faire une vidéo montée exclusive à la chaîne principale YouTube pour expliquer tout le délire de quand ça a commencé, pourquoi, machin. Tu vois, vraiment une vidéo montée, voilà, montée par casu, bam, des cuts partout, bibab, bibobobop, ça va être zinzin. Et pour finir avec, si je le peux en tout cas, le drop du vinyle avec un lien, etc. etc. Pareil, je le disais tout à l'heure en rigolant, mais pour vous. Il y en a quelques musiques, je crois qu'il y en a 5 ou 6 qui sont sorties sur Spotify et toutes les autres plateformes de streaming, hein, donc je crois qu'il y a Apple Music, enfin je sais plus, Deezer, tout ça. Là aujourd'hui on a généré un chiffre d'affaires qui est absolument démentiel, 13,50€, voilà. Donc si vous voulez, Simple Pipe ne peut pas encore vivre de sa musique, ok ? C'est pas faisable. Ils sont pas, il faut peut-être préparer la tournée à un moment, je ne sais pas, mais c'est pas la folie, d'accord ? Ça devrait arriver. Il va falloir plus de streams pour que les mecs s'en sortent, ok ? Donc cet objet du vinyle, aujourd'hui, c'est dans les bacs. On attend des réponses. J'ai demandé à Casu hier s'il avait eu des réponses de la comment ça s'appelle, des man. Il y a pas eu de réponse pour l'instant, d'accord, donc voilà. Putain, Yannou il me dit qu'il est rentré de Disney. Frère, il est parti de dimanche à mercredi à Disneyland. Il a pris le Disneyland Hotel, il a craqué son PEA, il a pété en plomb. Je dis, frère, à ce prix là va à Orlando en fait. Il est fou ce mec de dépenser autant pour l'hôtel. Donc bref, c'est rien à voir. La pochette d'album sera la même que celle des singles ou pas? À méditer, à réfléchir. On va voir, on a peut-être des idées, on a peut-être des choses. On a envie de proposer l'exclusivité, c'est juste que ce projet de vinyle, il est... Oui, on l'a en tête, j'ai envie de le mettre en place. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont chauffés parce que y a beaucoup de gens parmi vous qui ont participé, la preuve en est, sur les chats, etc. Vous me donnez des idées, on fait des rimes, on fait des machins, on écrit les trucs. Évidemment, oui, c'est l'IA qui fait la chanson, mais c'est nous qui l'écrivons. Et ça, c'est quand même plutôt cool d'avoir ce mix des deux, d'essayer de trouver le bon morceau, de trouver les bonnes formations, etc. Avec l'avis des gens, je vous fais voter. Bref, pour moi, c'est plus un album participatif qu'un album solo non plus. Simple Pipe, c'est le groupe du peuple, d'accord ? C'est le groupe de la France, donc c'est le groupe engagé, d'accord ? C'est un album à charge, hein, tout de même. SNCF, Chronopost, l'URSSAF, SFR, bon, et je vais dire, streamer dur métier, bon, voilà, encore une fois, ça tabasse quand même pas mal. C'est peut-être le simple peuple, effectivement, Simple Peuple. À la limite, quoi. Ça en fait des procès à gérer. C'est vrai que ça va en faire des procès à gérer, mais on est ensemble. Oui, on invoque le droit à la parodie, bien sûr. Merci la France de me donner le droit à parodier. Donc voilà, vous avez toutes les infos ici. On attend des réponses. Si le projet vinyle vous dit, évidemment qu'on va essayer de taper dans le prix le plus bas possible. Je rappelle. Ça peut paraître con, d'accord, mais je préfère le dire parce qu'on ne sait jamais. Le projet, c'est une vaste blague. C'est vraiment pour s'amuser en sa part de piper à on fait un album. Les amis, je ne fais pas. je ne compte pas
devenir multimillionnaire grâce à la musique IA. La preuve en est, c'est totalement de niche et c'est pour les gens qui sont un peu dans le délire. Il y a plein de gens que ça ne, qui ne suivront pas ce truc, on s'en fout. Donc voilà. Mais pour le vinyle, je trouvais ça cool d'avoir un bel objet plutôt que de faire un CD. C'est un peu rince-coque, hein, le CD. En vrai, je vais pas vous mentir, le CD, je trouve ça nul à chier. Alors que le vinyle, voilà, même si t'as pas ta platine, bah peut-être qu'un jour t'auras une platine, tu pourras l'écouter ou tu l'amènes chez un pote. Attends, je te fais écouter le dernier vinyle là, du groupe, là, machin. Voilà, quand le vinyle, il sera dans les rayons Fnac, faudra pas dire bip, mon pote, ok? Donc, à méditer, quoi. Mais nous, fans de Park, dans le vinyle, putain, mais ta gueule, Soren Boy, il nous fait chier. Oui, peut-être que dans le vinyle, par contre, il y aura une ou deux ou trois. Tu sais, mec, abuse. Non, il y aura peut-être une, c'est sûr, il y aura sur une ou deux chansons exclusives qui seront que dans le vinyle que vous retrouverez ailleurs. Putain, le voisin qui fait les travaux, j'y peps. Donc voilà. Non, il n'y aura pas de titre interprété par Narcus ni par Dwagby. Il n'y a pas de featuring de prévu avec eux, pas pour l'instant avec Simple Pipe. Par contre, ensuite il y aura une petite pause du groupe qui l'a bien mérité. D'accord, Simple Pipe, ça reste quand même des êtres humains. Ils ont le droit aussi de se reposer un petit peu. Ils ont le droit de prendre, de se ressourcer pour essayer de retrouver leur créativité. Peut-être qu'ils reviendront en force avec un album de Noël. Peut-être qu'ils reviendront en force avec un album de Noël. Je ne sais pas, je peux pas vous dire pour l'instant, mais ou peut-être un single de Noël si l'album est un peu trop chaud. À méditer, à dire, on verra un petit peu plus tard. Donc voilà, on va essayer de vous faire un item collector en tout cas et proposer des trucs. On va voir ce qu'on peut faire avec le label, mine de rien. Parce que oui, cette phrase existe, on a vraiment un distributeur, on a vraiment un label pour Simple Pipe, pour le groupe. Donc Simple Pipe est labellisé, charolaise, belle viande de France. Donc voilà, les musiques sont claim par un label. Donc voilà, vous avez l'info ? Vous avez l'info, d'accord ? Et ça, c'est sublime, c'est extraordinaire, ok ? Maintenant que vous avez toutes les informations, je vous fais écouter le petit banger sur lequel nous allons travailler aujourd'hui, d'accord ? Pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. Et on y va. Veuillez tout simplement écouter. On va pas être trop des toasts. Ceux qui vivent jamais. J'ai passé une commande sur un. Jamais livré au bon moment. Ils sont pas chez moi, ce bon chien. Avis de passage pour temps présent. Quand il est ouvert dans mon jardin. Mais pour quand on passe, tout va bien. Jamais livré au bon moment. Il sonne pas chez moi ce bon chien. Avis de passage pourtant présent. Quand il ouvre dans mon jardin. Mais pour qu'on en passe tout va bien. Voilà. On l'a très bien. Tu veux qu'on essaye de régénérer le refrain ? Il est pas mal, mais je sens qu'on peut avoir un banger. Et il est pépite. Hein. Celui-là, c'est vraiment la meilleure version qu'on a. On peut essayer de régénérer un refrain. Après, si on régénère le refrain... Non, on a le rythme après. Tu veux qu'on retente un nouveau refrain ? Je vois ce que tu veux dire, Casu. Je vois le type de personne que t'es. Alors, ok, on peut faire ça. Par contre, il faudrait que je prenne chorus ici, guitare solo, ta 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 ta, et là on est là, vas-y je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça mon petit Pouts, je vais faire Reus Prompt globalement, et on va juste extend, non en fait on va extend, à partir de quand c'est dommage que les voix sont pas très claires, ah bon. Oh, moi j'avoue, j'aime bien la voix. Express, rendez-vous.
posé mon lundi. La 41. Ouais, tu vois, en fait, le truc, c'est que ça va être très dur de générer un autre frein, Casu, parce qu'à 41. Ce sera 0041. J'ai peur que ce soit un peu complexe. On peut tenter. 0041. Ça me semble un peu technicos, mais. Parce que là, il enchaîne très vite. Hein. Après on peut se tenter de générer encore d'autres trucs si vous voulez vraiment, mais ça a été très très dur hein, d'avoir ce rendu là, ça a été très très long. J'espère qu'ils pourront améliorer ça, ce serait un banger. Non mais tu vois ce côté encore un peu, ah ouais bah ça on l'a sur beaucoup, des fois ça se sent moins et des fois malheureusement on peut rien y faire quoi. Alors là c'est pas fou hein. Ça marchera pas. En fait, vu qu'il enchaîne Casu, je pense que ce sera mort. On pourra pas avoir mieux. Non, après il y a la deuxième version. En fait, la deuxième version, je trouve que la voix est moins robotique. Par contre, c'est pas le même rythme. Il gueule pas au début et en gros le chorus est moins non, le refrain est mieux. Je trouve que le refrain est mieux sur la première. Je vous la refais écouter. Mais en gros tout le truc du début est moins. Ça fait moins. On va parler de Chronopost. Si tu nous dis jamais. Tu vois. Je vais passer une commande sur Internet. Il me fallait arriver en vitesse. J'ai choisi Chronopost que je suis tête pour un soi-disant service express. Le rendez-vous est pris. J'ai posé mon lundi. Jamais arrivé au bon moment. Nous sommes pas chez moi. Ce gros chien a vie de passage pour d'emblée. Celle-là, moi, elle me reste plus dans la tête. Le refrain me reste plus dans la tête. Mais il est moins... Les gars, c'est moins Simple Pipe. C'est moins Simple Pipe, quoi. Elle est top, celle-là. Même l'instru, elle fait pas giga propre. Sur celle-là, je sais pas de quoi tu parles, Zotra, du coup. De celle-là ou l'autre? Non, celle-là, elle est très bien. C'est pas facile d'entendre en fond le public chanter le refrain. Waouh, waouh. Alors, Coquille, je vais pas te mentir que ça a été déjà une tannée. Ça a été une tannée d'avoir juste le côté live. Alors là, tu me demandes l'impossible. Là. Vraiment, je pense qu'on va avoir 10 000 generations. Donc c'est très compliqué. Après, ce qu'on peut faire, c'est que si vraiment les deux vous dites ouais, c'est pas mal, mais c'est pas encore ce que. Les gars, rien ne nous empêche de juste faire ça. On reprend exactement ça. On reprend ici. Il n'y a pas d'extend. Tac, 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 tac. Let's go. C'est quoi ça, right about intro public? Je sais pas pourquoi il y avait un truc là, je sais pas ce qu'il y avait marqué. J'ai peur. Hein. Attends, qu'est-ce qu'il m'a dit? Non, il m'a enlevé le truc. Ah mais attends, oui, il m'a écrit un truc. Ah, il m'a écrit un truc, le man. Attends, le rendez-vous est pris, j'ai posé mon lundi. Attente devient supplice, encore une journée gâchée. Il pète un plomb. Il m'a mis de nouvelles choses. Chaque fois la même galère. Ils disent on va vous contacter, mais c'est du vent, c'est clair. Chronopost toujours à rater. Ça veut rien dire, c'est de la bitchasse. Non, 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 frère. Lâche ça tout de suite. Lâche ça tout de suite, frérot. Alors, voyons voir. Ouais, il prend ses aises, quoi. C'est très. Regardez, vous allez voir que pour le début, déjà c'est très dur d'avoir un bon rendu. Hein, on va parler de Chronopost, ceux qui nous livrent jamais. C'est encore le Québec ou pas là? Écoutez, le début c'est vraiment le Québec. Hein. On va parler de Chronopost, ceux qui nous livrent jamais. Jamais. J'ai passé une commande sur Internet. Ouais, c'est le Québec. Non, ça va pas. On va parler de Chronopost. C'est pas YouTube. J'ai passé une commande sur Internet. Attends, excusez-moi, mais le mec, il est timide un peu. C'est le mec qui est en live, mais un peu timide. On va parler de Chronopost. Ceux qui ne vivent jamais. J'ai passé une commande sur Internet. Il me fallait être livré en vitesse. Choisis Chronopost que je suis. On va parler de Chronopost.
J'ai passé une commande sur internet. Il me fallait livrer en vitesse. Je choisis Chronopost que je suis bête. Pour un soi-disant service express. Le rendez-vous est pris. J'ai épousé mon lac. Horrible, c'est vraiment ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Ah, j'aime pas du tout hein. On va parler de Chronopost. Ceux qui n'oublient jamais. Tout s'est passé une commande sur internet. Il me fallait livrer en vitesse. Je crois c'est Chronopost. C'est le featuring avec Nicole Pike. Je suis prêt pour un soi-disant service express. Ça va pas, ça va pas. J'en génère ça, j'en génère. On va parler de Chronopost. Ceux qui nous livrent. On va parler de Chronopost. Ceux qui nous livrent. J'ai passé une commande sur internet. Non. On va parler de Chronopost. Ceux qui nous livrent jamais. J'ai passé une commande sur internet. Il me fallait livrer en vitesse. Oh non, non, non. Attends, il me croit le poste. J'ai voulu le soleil. J'ai passé une commande sur internet. Il me fallait livrer en vitesse. J'ai choisi Chrono parce que je suis bête. Pour un soi-disant service express. Non, ça va. Le rendez-vous est pris. J'ai posé mon lundi. Jamais livré. Non, c'est vraiment un opening d'anime là. C'est vraiment SNK. Non, non, ça va pas, ça va pas. On va parler de Chronopost, ceux qui nous livrent jamais. J'ai passé une commande sur internet. Il me fallait que je livre en vitesse. J'ai choisi Chronopost, que je suis prête pour un soir. Non, ça va pas, ça va pas. Jamais s'il vous plaît. Jamais. Attends alors peut-être. J'ai passé une commande sur internet. Oh. Il me fallait être livré en vitesse. J'ai choisi Chronopost que je pour un soi-disant service express. Le rendez-vous est pris. J'ai posé mon lundi. Jamais livré. Bon, bon moment. Il sonne pas chez moi ce gros chien. Avis de passage pourtant présent. Colis ouvert dans mon jardin. Mais pour Chronopost, tout va bien. Je pense qu'il faut juste retravailler là, parce que là il galère de fou, il faut qu'on le retravaille. Mais le début, j'ai eu un doute sur, pareil que toi, j'ai eu un doute sur le chien, mais ouais, après il faut le refaire quoi. Mais par quoi, attends, non, faut qu'on soit sûr quoi, je la mets en like, mais le début, là, tout qui va là dans l'intro, le refrain est cool, il prend son temps, je sais pas. Ça est vraiment folle hein. L'intro est banger. J'ai passé une commande sur internet. Il me fallait être livré en vitesse. J'ai choisi Chronopost que je suis bête. Pour un soi-disant service express. Le rendez-vous est pris. J'ai posé mon lundi. Jamais livré. Bon, bon moment. Il sonne pas chez moi ce gros chien. Ok. À la
limite, ce qu'on pourra faire, on va la mettre de côté. Ce qu'on pourra faire, c'est régénérer un refrain, quoi. Tu vois ce que je veux dire? À la limite, parce que là, il prend son temps. Mais putain, pourquoi je peux pas cliquer sur play là? C'est relou. Putain. Jamais livré pour attends, un soi-disant service express. Le rendez-vous est pris. J'ai posé mon lundi. Jamais livré. Là, tu vois, on pourra peut-être essayer de régénérer. Mais en vrai, c'est vraiment. Celle-là, elle est vraiment insane. Genre, on dirait un opening d'anime, je rigole pas. Celle-là, elle est incroyable, elle est incre. Hein. C'est mon top 1 by far. Hein. Ça efface toutes les autres. Hein. On va parler de Chronopost, ce qui nous livre jamais. C'est perdu là déjà. J'ai passé une commande. On va parler de Chronopost, ce qui nous livre jamais. Chanson de l'honneur, ça. J'ai passé une commande sur internet. On va parler de Chronopost, ce qui nous livre jamais. J'ai passé une commande sur internet. Il me fallait être livré en vitesse. Non, j'aime pas. On va parler de Chronopost. Comprends rien. On va parler de Chronopost, ce qui nous livre jamais. J'ai passé une commande sur internet. Il me fallait livrer en vitesse. J'ai choisi Chronopost, que je suis bête. Non. Ça c'est pas bon, ça va être dur de trouver mieux que ce qu'on vient de générer les gars, je le dis, ça va être très très compliqué. Ah, on vient de taper dans du très lourd hein. Ah. On va parler de Chronopost, celui qui n'oublie jamais. J'ai passé une commande sur internet, il me fallait livrer en vitesse. J'ai choisi Chronopost que je suis bête pour un soi-disant service express. Le rendez-vous est pris, j'ai posé mon. Jamais livré au bon moment. Il sonne pas chez moi ce gros chien. Un vie de passage pourtant présent. Faut pas les deux. Non, ça marche pas. Faut parler de Chronopost. Ce qui nous livre jamais. J'ai passé une commande sur internet. Non, excuse-moi, mais non. On va parler de Chronopost. Ce qui nous livre jamais. Internet, il me fallait livrer en vitesse. J'ai choisi Chronopost, que je suis bête pour un soi-disant service express. Non, la voix est trop. On va parler de Chronopost. Ok, le mec est en live, il était bourré. On va parler de Chronopost, ceux qui nous livrent jamais. J'ai passé une commande sur internet. Non. On va parler de Chronopost. Ceux qui n'oublient jamais. Ok, Mathieu Chédid. J'ai passé une commande sur internet. On va parler de Chronopost. Ceux qui n'oublient jamais. J'ai passé une commande sur internet. Non. On va parler de Chronopost. Ceux qui n'oublient jamais. Non. On va parler de Chronopost. Ceux qui n'oublient jamais. J'ai passé une commande sur internet. Pourquoi? Il me fallait livrer en vitesse. J'ai choisi Chronopost que je suis bête. Ah, c'est trop lent. On va parler de Chronopost. Ce qui est jamais. J'ai passé une commande sur internet. Ok, il me fallait livrer. Non. On va parler de Chronopost, ce qui nous livre jamais. Non. On va parler de Chronopost, ce qui nous livre jamais. J'ai passé une commande. Non. On va parler de Chronopost, ce qui nous livre jamais. J'ai passé une. C'est pas vrai. Ce qui nous livre jamais. J'ai passé une commande sur internet. On n'entend rien sur ces intros. On va parler de Chronopost, je ne me livre jamais.
J'ai passé une commande sur internet. Me fallait être livré en vitesse. J'ai choisi. Ah, c'est cataracte, on va parler de Chronopost. Non. On va parler de Chronopost. Ceux qui ne livrent jamais. J'ai passé une commande sur internet. Il me fallait être livré en vitesse. J'ai choisi Chronopost que je suis bête. Pour un soi-disant service. Non. On va parler de Chronopost. Louis, je suis un fils de pute s'il a pas dégueulé. Écoutez, on va parler de Chronopost. On va parler de Chronopost. Vous êtes Chronopost. Ouais. Jamais. Ah, lui, il dégueule. J'ai passé une commande sur internet. Non, c'est à chier. On va parler des fonds. Dans la classe. C'est... Non, ah, il est bourré, ok. On n'a pas trouvé mieux. Non, les gars, vraiment, celle-là, c'est... Jamais. C'est le meilleur, celui-là, c'est le meilleur. Il y a rien à dire. J'ai passé une commande sur internet. Il me fallait être livré en... C'est le meilleur. J'ai choisi Chronopost que je suis bête. Pour un soi-disant service express. Le rendez-vous est pris. J'ai posé mon lundi. Jamais livré. Là, je pense par contre que celui-là, on peut l'extend. Pour moi, on peut l'extend, hein, celui-là. C'est faisable, quoi. C'est faisable à 41, on va tester. Ne m'est livré au bon moment. Pa-pa-pa-pam. C'est 0,41, je dirais. Je crois. Ouais, 0,41 du coup. Extendo. Allez, on y va. Ah non, celui-là, il est pour moi, il est fou. C'est vraiment un opening d'anime et tout. Je suis choc barre, hein, premier degré. On va voir. Allez, s'il te plaît, voilà, on y va. Jamais livré au bon moment. Il se passe chez moi ce crochet. Ah, faudrait qu'ils reprennent un peu la rythmique qu'il avait tout à l'heure, mais qu'ils disent pas chien. Jamais livré au bon moment. Ils se passent chez moi, ce gros chien. Avis de passage pour ton présent. Colis ouvert dans mon jardin. Mais pour Chronopost, tout va bien. Debout à l'eau, prêt à le recevoir. Personne en visu de la matinée. Il est 15h, je garde encore espoir. Pas de bonne livraison reprogrammée. Le rendez-vous est pris entre 8h et minuit. Jamais livré. Yeah.
je vois mal comment celui d'après peut être mieux que celui-là. Le refrain, il est tellement je sais pas comment, il est fou, il y a tellement de puissance, c'est tellement powerful dans le refrain. Oh la vache, c'est vraiment libre, c'est si Chronopost était un animé. Non, quasi, faut qu'on fasse un clip sur Chronopost, mais en animé, quoi. Faut que je paye un mec pour qu'il me fasse un animé Chronopost de la chanson. La vie de ma mère, si je fais un clip, je fais un clip animé. Il y a des mecs qui faisaient un peu ça, Gorillaz et tout machin, tu sais, des clips animés un peu stylés. Je vais payer un man, je dis, bah, gros, le thème, c'est Chronopost, tu me l'animes et c'est un clip. Chronopost, le clip. No joke. Jamais dit frère. Non, bah dommage, parce que le mais pour Chronopost tout va bien, il est dégueulasse. Dommage, je suis en prod, j'aurais été chaud. Putain, t'es en prod là, qu'est-ce qu'il nous fait? Les gars, on est d'accord qu'on garde celui-là. Enfin, déjà celui-là, c'est sûr qu'on va faire Get the Wall Song. Et qu'on va se faire une écoute de ce Wall Song, voir si c'est bon avec le début, s'il n'y a pas de reliquat, s'il n'y a pas de petits problèmes, etc. Si tout est bon au niveau du rythme. Et ensuite, on y va quoi. Mais là, en fait, le refrain là, il est quand même assez fou. Je le garde en Get the Wall Song et on va voir. Ah, il est parfait, mais pour moi là, il est parfait en vrai. Parce que le problème de générer plus de sons, etc. C'est que on va mettre tellement de temps ensuite. À un moment, faut choisir quoi. On va forcément trouver d'autres trucs pas mal, machin. Celui-là, il nous a bien tapé dans les oreilles, comme on dit. Hein. C'est une commande sur Internet. Il me fallait être livré en vitesse. Et là on entend bien la voix. J'ai choisi Chronopost, je suis bête. Pour un soi-disant service express. Le rendez-vous est pris. J'ai et posé le mardi. Debout à l'eau, prêt à le recevoir. Personne en visu de la matinée. Il est 15h, je garde encore espoir. Pas de bonne livraison reprogrammée. Le rendez-vous est pris entre 8h et minuit. Non, là on va cut ici. Ouais, on la lock, hein, celle-là, on la lock instant, les gars. Bien évidemment. Je pense qu'il faut la cut là sur la suite. Jamais. Tu vois, là, tu laisses le solo. Et là, 2-15. 2-15, t'envoies quoi. T'envoies la purée, comme on dit. Waouh, mais celui-là, il est fou. Hein. Waouh, la vache! Un bridge parler ou faire en sorte qu'il gueule encore un truc en live mais chaud. Ouais. Ah, ici tu veux dire là? Là en mode est-ce que vous en voulez encore? Tu vois? On est d'accord que Chronopost ça pue la merde.
merde. Vas-y. Là, c'est peut-être notre titre of all time, ça, les gars. Je vais pas mentir. Ensuite, on se remet un nouveau verse. Le bridge qui pour achever, chorus de fin et chorus en x2, fade out and boom. Oh merde. Alors, et en clôture, on fait comme ce qu'on avait fait avec l'URSSAF, genre dans le cul l'URSSAF, tu vois. Et genre, fatigue, nous livre jamais. Oh my dream, quoi. Vas-y. Du coup, on peut partir en extend, mesdames et messieurs. Pour moi, le extend, il part là, quoi. Il part là sur un 2-12. 2-12, 2-15, hein, je pense. Extend. Pa 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 ta ta na na ma ma na na. Ouais putain, ouais, je me fais pipé. Ok bro. Alors qu'est-ce qu'on peut s'envoyer là? Alors en mode genre parle au public ou un truc comme ça, y a pas un petit truc. Nous, ce qu'on avait de base, c'était intro public cheering concert live. On peut peut-être prendre ça, public cheering concert live. Est-ce que je laisse intro public ou je vais rester comme ça. J'ai marqué. Ils sont trop nuls! Pas vrai, la team? Public cheering. C'est vraiment si drôle. Ensuite, j'envoie un verse. On commence à écrire le verse ou quoi, là? Oh putain, attends, non, le verse plus fade out, tac, comme ça. Ouais, je suis désolé, mais ça me flingue que ce soit premier degré. Ok, j'envoie juste pour voir si le 2-15 est bon, et voir s'il me le fait ou pas. Oh là là. La team! Ouais. Est-ce que vraiment il va nous faire ça ou pas après ce pur banger? J'en doute, mais ils savent pas livrer, ces enculés. Non, pas à ce point, c'est tout public, c'est tout. Ok. C'est trop bien, frère. C'est trop bien. Debout à l'eau, prêt à le recevoir. Personne en visu de la matinée. Il est 15h, je garde encore espoir. Un bon livraison reprogrammé. Là, ça marchera pas. Le rendez-vous est pris entre 8. T'es comme un enfant, je dis, ça me fait plaisir. Oh, non, mais ça me tue. Je trouve que c'est si drôle de pouvoir faire ça ensemble, tu vois. Tout le monde donne des idées, on y va, on tente un truc, machin. C'est trop marrant. Et à la fin, on a un produit qui est fini et qu'on peut écouter premier degré, tu vois. Aujourd'hui, t'as un style de musique, tu peux te créer ton propre style de musique. Non, c'est quand même une folie, quoi. C'est une folie. Merci, Yukpo, j'avais pas vu. Merci pour ton deuxième mois parce que j'ai regardé le live Supermarket avec PA et la clique et que j'ai pas arrêté de chialer. Merci, frérot. Qu'est-ce qu'on arrive avec poubelle, caissier, stock. C'était vraiment très, très drôle, le Supermarket. Merci à l'UATV aussi, je claque mon prime pour ce banger. Eh oui, ça, c'est du pur banger, mon pote. Alors, est-ce que ils sont trop nuls, pas vrai, la team? Genre. En fait, j'aimerais trop que le public cheer, quoi, de fou. Hein. Public cheering. Je suis jamais livré. Non, un truc comme ça. C'est juste des tests, hein, qu'on fait, évidemment, pour voir si ça pourra nous sortir des trucs tout à l'heure. Et on va écrire le dernier verse. Dernier verse et on sera bon.
Dernier verse d'ailleurs, tranquille, hein, donc on a 4 trucs, on est sur 10 je crois, debout à l'aube, prêt à le recevoir, on est sur 10, ouais, personne en visu de la matinée, ouais c'est ça, on est sur du 10, 10 syllabes. Ils sont trop nuls, pas vrai la team, je suis jamais livré. Debout à l'aube, prêt à le recevoir. Ça, ça tente des trucs, mais je trouve que c'est bizarre parce qu'après ça, tu te dis... En fait, après ça, tu t'attends à avoir le refrain. Donc, est-ce que ça, on le mettrait pas après ? Genre là, on reprend avec le nouveau verse. Ensuite, on a le bridge. Ensuite, on a le chorus. Après le chorus, on remet ça. Et ils sont trop nuls, la team 1, public cheering. Ensuite, on remet le refrain. Fade out et dans le cul chronopost. Tu vois ? Je pense. Chef, j'avais pas vu. Wesh, ma femme, qu'est-ce qu'elle a celle-là? Qu'est-ce qui arrive? Je me dis que j'ai trop de chance, c'est beau, ça me donne plein d'idées. Allez, bon stream. Oh, les amis, je vais devoir mettre pause au live. J'ai l'impression que ma fille va avoir un petit frère. Le fou du métro. C'est peut-être la musique là, c'est peut-être la musique. Hein. Ah là là, attends que je finisse le live. Hein. Ouh là là. Non, revenons au boulot. On a tous envie de baiser, mais le travail d'abord. D'accord. Public ovation pour les cris. Ok. Oh putain, le public ovation, par contre, ça me semble pas mal. Ovation. Vas-y, je ovationne. Ils sont trop nuls, pas vrai la team. Je suis jamais livré. Ouais, faudrait peut-être que je fasse ça. Vous en pensez quoi du coup, sans faire le mec? Ils sont trop nuls, pas vrai la team. Je suis jamais livré. Ouais, tu vois, là il faudra un refrain après ça. Ils sont trop nuls, pas vrai la team. Je suis jamais livré. Putain, j'y ai cru à la public ovation. Ok, on va pas le faire dans ce sens-là. Du coup, on va l'enlever. On va l'enlever entre guillemets. On va faire ça. On va faire ça. Pourquoi il me l'enlève pas d'un coup? Bon, c'est pas grave. On va faire comme ça. On va écrire le verse. On va modifier cette phrase là du bridge. On reste sur le chorus. Ensuite, là, on met ça. Tac tac, public ovation. Chorus again. Et là, normalement, on est une légende du jeu, les gars. Là, dans ce sens-là, je pense qu'on a, le... Ça, pour moi, ça peut détrôner, je le dis, ça peut détrôner SNCF en secret banger. Il faut le dire. Bon, alors, ça, c'était le deuxième refrain. Debout à l'aube, prêt à le recevoir. Personne en visu de la matinée. Il est 15h, je garde encore espoir. Pas de bol, livraison. Reprogrammer ER en plus, hein, reprogrammer. Ok. Très bien. Alors, les amis, qu'est-ce qu'on s'envoie dans le gosier, là? Oh là, j'ai eu plein de trucs qui sont passés. Attendez, bougez pas. 8, stone. Ok, il faut que je récupère mes trucs pendant qu'on réfléchit à la suite de l'histoire avec vous évidemment, après toutes ces informations que nous avons. Sur quoi on part, les petits potes, à ce niveau-là? Pendant que moi, je me mets ça dans le gogo, dans le ziézié, dans le gosier. Tac, tac. Mais d'ailleurs, je me suis fait... Il est là, mon petit strawberry kiwi, hein. Du refit du strawberry kiwi, ça faisait longtemps que je m'étais pas envoyé ça dans la gueulosse. Ça va être très bien. Gigi, il est trop pro, il ignore sa femme quand elle chauffe en quête. Bah moi, tu sais, c'est le boulot avant tout, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein. Travail, boulot. Je peux faire un boulot à qui de droit, mais d'abord l'autre boulot. Ok. Tac. Je pense que je vais envoyer ça. Ah merde, c'était pas ce que je voulais faire, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, ça me fait péter un jour, mais it's ok. Donc comme j'ai dit, on est après la livraison reprogrammée. Livraison reprogrammée, comment finit l'histoire? C'est ça qu'il faut se dire. Comment finit l'histoire? La livraison a été reprogrammée. Là, on en est là dans l'histoire du quotidien du mec avec Chronopost, quoi. Qui attend son colis Chronopost. Donc ça a été reprogrammé, il est un peu énervé quand même, il est un peu énervé. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Loïc, il y a combien de titres dans l'album? Je crois qu'on est à 11, c'est le 12e.
Donc ouais, ouais, il y a pas mal de choses. L'album s'appelle Jira IA. Jira IA, c'est le jeu de mots de fou. Simple Pipe, l'artiste. Tu fais une réclamation et on t'envoie balader. Tu vas pas être remboursé. C'est un truc comme ça. L'histoire se finit avec moi qui attends devant la porte avec un pit biche. En fait, faut que ça se finisse mal, tu vois. Colis perdu et jamais... Oh, colis perdu, jamais livré. Colis perdu, jamais livré. Au final. Et t'es pas remboursé. J'aime bien l'histoire. L'histoire est belle. L'histoire est belle. Mais dans le bridge, on a le rendez-vous est pris. Et faudrait qu'on ait un truc en mode... c'était le rendez-vous, j'ai pris mon lundi. J'ai posé mon lundi entre 8h et minuit. Et en fait, au final, tu ne l'as pas. Le rendez-vous est pris. Ah, la gendarmerie. Parce que tu vas porter plainte. Entre 8h et minuit, j'ai posé mon lundi à la gendarmerie. Le rendez-vous est pris. Je vais à la gendarmerie. À la gendarmerie. C'est un peu trop cool. Le rendez-vous est pris. À la gendarmerie, ça peut être pas mal, je pense. Bref. Mais colis perdu, on commence avec quoi, alors? Mais qu'avais-tu commandé? Les fans veulent savoir. Non, mais ils ont pas besoin de savoir. Hein, juste, on sait que on n'a pas ça. Non, monsieur, on vous a bien livré. Bah, avis de passage, ouais. L'entre deux, quoi. Là, on a 4 verres pour faire véhiculer l'idée que le colis a été soi-disant livré, mais en fait, il est perdu et jamais livré, quoi. Direction gendarmerie. Ah, direct. Le rendez-vous est pris. Direction gendarmerie. Je sais pas si ça passera bien. Parce que direction gendarmerie, ce serait plutôt direction la gendarmerie. Après, on n'est pas obligé de mettre gendarmerie. Hein. Un truc avec I qui rime sur une plainte ou quoi. Hein. Le rendez-vous est pris, mais j'attends toujours mon colis. Un peu long. Le rendez-vous est pris, j'attends toujours mon colis. Ouais. À la gendarmerie. Non, on est à 6, casu. C'est 7. Le rendez-vous est pris. J'ai posé mon lundi. Ah non, t'as raison. C'est pas 7. Non, non, à la gendarmerie. Non, mais t'as raison. À la gendarmerie. Gendarmerie. Non, 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 je suis con. Tu as raison. Ok, c'est sublime. Donc, on avait commencé tout à l'heure par de bout à l'aube, prêt à le recevoir. Personne en visu de la matinée. Il est 15h. Je garde encore espoir. Pas de bol. Livraison reprogrammée. Donc là, on est sur la livraison reprogrammée. On me dit qu'il a été livré, un truc comme ça. On me dit que j'ai été livré. On est à 9, il faut qu'on soit à 10, 10 syllabes. On me dit, en gros, on pourrait faire un truc du genre. On me dit, on va pas mettre ça, hein, d'accord, mais dans l'idée, on me dit que j'ai été livré, d'accord. Mais genre, mon colis est perdu. Un truc comme ça. On me dit que j'ai été livré, mais mon colis est perdu. Ouais, on peut faire un truc comme ça. Ça se passe mal. Et là, du coup, la finalité, le rendez-vous est pris à la gendarmerie. En fait, t'es énervé, quoi. On me dit que j'ai bien été livré. On me dit que j'ai bien été livré. Ouais, vas-y. On me dit que j'ai bien été livré. Ouais. Le livreur t'a volé. Mais mon colis est perdu. J'ai campé devant chez moi pour un boîtier de PC. Le livreur arrive, met un avis de passage dans ma boîte aux lettres. Je l'interpelle. Il me dit que mon colis est déjà déposé en point relais et il ne l'avait déjà plus dans son véhicule. J'ai envie de hurler. Mais quel enculé. Mais putain, le big chien. La vache. Ouais, vraiment pas fou, quoi. Merci à Ryujin pour le 17e mois. Merci. Ah, tu veux dire le rendez-vous. Ah, j'ai passé mon lundi à la gendarme. J'ai passé mon lundi à la gendarmerie. Ouais. Ça pourrait être pas mal.
Notif que livré alors qu'il est perdu. Ouais, c'est ça. On me dit que j'ai bien été livré. Est-ce qu'on commence par ça ? On me dit que j'ai bien été livré, mais mon colis est perdu. C'est trop court de toute façon. Mais dans l'idée, le colis est perdu. J'ai l'impression que qu'on me l'a volé, quoi. J'ai l'impression qu'on me l'a volé. C'est trop court aussi, mais vous avez l'idée. J'ai l'impression qu'on me l'a volé. Et ça finirait en U. J'en ai plein le cul. C'est toujours pareil, j'en ai plein le cul. C'est toujours pareil, j'en ai ras le cul. C'est toujours pareil, j'en ai ras le cul. Ben voilà, les gars, ça me semble fabuleux. On va écrire comme ça le cul, au cas où. Le rendez-vous est pris à la gendarmerie, nanani, nanana. Alors là, il faudrait qu'on ait... bibaboum, babim. On me dit que j'ai bien été livré. D'accord, ça c'est bon. Mais mon colis est perdu. Il faut que ce soit plus long. Il faut que ça fasse 10. J'ai comme l'impression, tu veux ? C'est toujours pareil, j'en ai ras le cul. Ah, J'ai comme l'impression qu'on me l'a volé. Ouais, ça peut être pas mal. D'accord, effectivement. On me dit que j'ai bien été livré. Et mon colis... Ouais, mais ça fait beaucoup de mais, quoi, non ? Ah non, pardon, c'est le même, excuse-moi. Mais... Mon colis est visiblement perdu. C'est un peu trop long, visiblement, je pense. C'est mon colis est visiblement perdu. On n'a pas besoin du mais. On me dit que j'ai bien été livré. Mon colis est visiblement perdu. J'ai comme l'impression qu'on me l'a volé. C'est toujours pareil, j'en ai ras le cul. Le rendez-vous est pris à la gendarmerie, nanana. Ok, c'est quoi ? Je le tente comme ça. Semble être perdu. Mon colis semble être... Attends, vous savez quoi ? On va écouter ce que ça donne avec visiblement. Si visiblement c'est trop bizarre, on lâche l'affaire, quoi. J'ai bien été livré. Mon colis est visiblement perdu. J'ai comme l'impression qu'on me l'a volé. C'est toujours pareil, j'en ai ras le cul. Le rendez-vous est... Non, mais c'est d'écrire cul quand même comme ça, hein, parce que j'en ai ras le cul. J'en ai ras le cul, les gars, hein. Que j'ai bien été livré. Visiblement, ça passe mon super bien. Colis est visiblement perdu. J'en ai ras le coup. J'ai comme l'impression qu'on me l'a volé. C'est toujours pareil, j'en ai ras le cul. Le rendez-vous est pris à la gendarmerie. Jamais livré au bon moment. J'aime bien. On me dit que j'ai bien été livré. Mon colis est visiblement perdu. J'ai comme l'impression qu'on me l'a volé. C'est toujours pareil, j'en ai ras le cul. Le rendez-vous est pris à la gendarmerie. Thank you.
C'est dommage, il nous le refait pas. La fin secrète, the secret fin, guys. Wow, la surprise, le one more thing. C'est pas mal, en vrai, c'est pas mal, c'est pas mal. On me dit que j'ai bien été livré. Ok. Mon colis est visiblement perdu. J'aime bien ça. J'ai comme l'impression qu'on me l'a volé. C'est toujours pareil, j'en ai ras le cul. Le rendez-vous est pris. À la gendarmerie, jamais livré au bon moment. Ils sont pas chez moi, ce gros chien. Avis de passage, pourtant présent. Colis ouvert dans mon jardin. Mais pour Chronopost, tout va bien. Ils sont tranquilles, toi qui es la team. Je suis j'ai pris une claque musicale, les gars. J'ai pris une claque musicale. Hein. J'aurais tendance à dire que celle-là, elle part en Get Wall Song et on check ça après. Mais je vais continuer à générer. Je vais continuer à générer au cas où on a des fins secrètes comme l'autre qui bug pas trop. Je peux en générer, allez, j'en génère 6 et on se fait un test. Et celle-là, elle est parfaite. En fait, elle est parfaite au niveau du verse. Le verse, il a la bonne voix, je trouve. Donc, c'est plutôt cool. Faut que tu mettes en public la fin alternative. Pour que je la recolle. Ah, bah attends, s'il faut, on va avoir une version de fou, Casu. Mais ouais, je te... Excuse-moi, je me dégueule dessus. Je te l'envoie juste après. On me dit que j'ai bien été livré. Mon colis est visiblement perdu. Non, là, j'aime pas. Par contre, ce que je veux vérifier, c'est en full song. C'est celle-là qu'on récupère, hein, sur l'extend. Ouais, c'est celle-là qu'on récupère sur l'extend. Et un truc que je veux vérifier dessus, c'est à 2.15. Voir. Pas de bonne livraison, reprogrammé. Le rendez-vous de la matinée. Ok, c'est ce type de voix qu'on doit avoir, pas trop fluette en vrai, je pense. Debout à l'eau près à le Debout à l'eau près le recevoir. Personne en visu de la matinée. C'est pas bon ça. On dit que j'ai bien été livré. Mon colis est visiblement perdu. La voix est très saccadée là, c'est bizarre. J'ai comme l'impression qu'on me l'a volé. Ça dégoûte parce que là, il a le bon rythme, mais la bonne voix, mais la voix, il y a du grain dessus. On me dit que j'ai bien été livré. Là, c'est pas mal. Mon colis est visiblement perdu. J'ai comme l'impression qu'on me l'a volé. C'est toujours pareil, j'en ai. Le rendez-vous est pris à la gendarmerie. Jamais livré au bon moment. Ils sont pas chez moi, ce grand chien. Avis de passage, pourtant présent. Colis ouvert dans mon jardin. Mais pour Chronopost, tout va bien. Ils sont trop nuls, pas vrai là-dessus. Je suis jamais livré.
lit ouvert dans mon jardin. Mais pour Chronopost, tout va bien. Pas mal, elle est pas mal, mais c'est pas encore ça aussi. On m'a dit que j'ai bien été livré. Attends, je vais avancer du coup. Attends. Mon colis est visiblement perdu. Ouais. La voie est mal cul. Le rendez-vous est pris à la gendarmerie. Jamais livré au bon moment. Alors, enfin, il est good. Colis ouvert, tombe. Mais pour Chronopost, tout va bien. C'est là, s'il te plaît, un truc. Livré au bon moment. Il sonne pas chez moi, ce gros chien. Avis de passage pourtant présent. Colis ouvert dans mon jardin. Mais pour Chronopost, tout va bien. Vous croyez qu'il y a une manière? En fait, ce qui serait trop cool, c'est que le chorus de fin soit chanté avec le public, quoi. Tu vois? Parce que là, on a la version définitive qui vraiment marche très bien. Mais si on peut rajouter ce petit truc, ça pourrait être cool directement dans l'IA sans que Casu ait à le faire. Ça peut rajouter un truc. Je sais pas, est-ce qu'on n'a pas un truc genre chorus with public ou un truc comme ça public sing, peut-être. Tu vois, un truc comme ça. Je sais pas. Je sais pas si ça peut. Public chorus sing. Je sais pas. J'en ai aucune idée. Après on a le public bah, c'est pas vraiment le public, c'est plus les Kids United qu'on a en isolé parce que la voix de je vois de laquelle tu parles hein. Tu parles de celle-là je crois c'est on m'a dit que j'étais... ouais c'est celle-là ouais celle-là c'est celle-ci je la mets en like pour qu'on l'oublie pas. Celle-là c'est la version def. Si je duplique avec la reverb ça peut peut-être passer. En vrai ouais ça peut se faire quoi, ça peut se faire. Crowd oui j'avoue j'ai mis public c'est peut-être crowd ouais public public ovation crowd, c'est pareil pour ça hein, crowd ovation ben non crowd il y a pas de s puisque c'est la foule. Crowd ovation je sais pas cheering. Ok, public chorus, crowd, je sais pas si là je mets pareil, crowd sing, sang, c'est sang du coup, j'en sais rien, je sais pas, je suis trop nul en anglais, vas-y je teste avec ça vite fait. On m'a dit que j'ai bien été livré. Non mais tant que j'ai pas la version complète, je peux pas cliquer dessus. On dirait pas un public mais une seule personne. Ouais c'est ça en fait on dirait une gonzette. Mais c'est ce qu'il dit on dirait les Kids United mais ce que dit Casu c'est qu'il pourrait le modifier ça. Ah ouais elle va vraiment être folle hein, vraiment. Non excuse-moi. C'est Manuel Moir qui chante ou quoi. Pourquoi il me change tout le truc lui. Il se prend pour qui. On m'a dit que j'ai bien été. Avis de passage pour atteindre. Mais pour Chronopost, tout va. Ils sont trop nuls, pas vrai la team. Je suis jamais livré. Là on n'a pas. Non, ça n'a pas passé. Jamais livré au bon moment. Avec ça aussi, c'est pas mal le petit côté calme. Et après, là, ça repart, je pense. Avis de passage pourtant présent. Colis ouvert. Du coup, crowd sing sang, crowd ovation singing, bah celle-là il me met pas le bon truc, mais bon, je vais juste écouter peut-être là-bas. Quoi? Ils sont trop nuls, pas vrai la team.
C'est de 20. Il y a de l'idée. Crowd singing peut-être, ouais, je vais essayer avec un autre. J'en sais rien, je tente. C'est pas avec la... C'est pas le public quoi. Mais pourquoi là il me change le rythme? Je comprends pas pourquoi depuis que j'ai mis crowd singing il me change le rythme, il fait livré. On me dit que j'ai bien été livré. Ah, la voix va pas là. On me dit que j'ai bien été livré. On me dit que j'ai bien été livré. Salut sur Red Boy, à bientôt frérot. Je crois qu'on a la version, je crois qu'on va prendre la version définitive et rajouter, si Casu va rajouter le public, ça peut être sympa. J'en ai ras-le-cul. Le rendez-vous est pris à la gendarmerie. Jamais livré au bon moment. Pourquoi pas? Il sent pas chez moi ce gros chien. Et ça, j'aurais bien aimé qu'il le fasse à la fin, quoi. Avis de passage pourtant présent. Colis ouvert dans mon jardin. Mais pour Chrono. Non, laisse tomber, le petit... Ouais, c'est... Non, mais ça me flingue. Bref, je pense qu'on va partir sur quoi ? On va rester sur la version full son qu'on va s'écouter. 3 minutes 47 de pur plaisir. Et essayer d'incorporer ce petit moment-là, ce petit moment à la fin-là, ici. En mode choriste. Ce qui est bien en plus, c'est qu'il est bien découpé pour Casu. Ça va pas être trop chiant à faire, je pense. Ouais, après, est-ce qu'il va intégrer que ce petit moment-là et tout ça? Je pense que tu vas galérer, Casu, en vrai. Parce que il faudrait que tu repasses sur l'autre. Parce que là, à la fin, le « il est pas très propre. Je sais pas. C'est pas si dingue, quoi. Sinon, audience singing long, oui, c'est pas mal, remarque. Ou alors, vous savez, attends. Tu sais ce qu'on peut faire de manière extrêmement simple. Hein. Ça, c'est notre version définitive. On peut prendre la version définitive. Allez, au moment où on aimerait que ça passe. Ouais. Attends, Casu, on va tester. Et là, 3-16. Je vais essayer d'extend avec un truc du genre Public Ovation. Extend avec ça. Juste ça à la fin. Et on est à 3-16. On peut faire un test, hein, les gars. On peut faire un test. Qu'est-ce que ça va nous coûter? À part ma liberté de penser. Rien du tout. 3-16. Tac. Et on met juste ça, le chorus. Alors, qu'est-ce qu'on tente? Singing along, manging, gangging. Je sais pas. On peut tenter beaucoup de trucs. Crowd sing in unison. Attends, il y avait... Non, singing along. Long. Je vais tester avec ça, voir si ça nous sort un truc ou pas. Ouais, un chœur, le chœur. Chouard. Après, est-ce que je dois mettre chouard, chorus, tu vois? Je sais pas. Ouais, ça peut marcher, hein. Ça peut-être marcher. J'ai loupé singing along, j'ai oublié une lettre. Comment on peut faire ça? Tic 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 tic. Core.
Weave public. Singing along. Je tente tous les mots-clés possibles. Juste corps, ouais, peut-être. Bah, c'est ce qu'on a fait, hein. Juste corps, mais ça n'a pas... Ah, vous voulez juste corps sans le truc derrière? Ah, genre que je mette genre... choir. Et que je le tente comme ça. Vas-y. Ah ouais, on essaye. Chorus, c'est le refrain, les gars. Ah ouais, audience. Ouais, j'avoue, peut-être. Audience. Crowd. Public. Live. Live, je crois que ça n'a pas trop d'intérêt. Je place tous les mots-clés que je peux placer, les gars. Comme c'est une extension, faut les paroles, je pense. Ah ouais, t'as peut-être raison. Je vais remettre les paroles. T'as peut-être raison. T'es quelqu'un, toi, Casu. Hein. T'es quelqu'un. Je renvoie, on écoute, on s'y met. Attends, on peut peut-être être surpris. C'est pas quoi, il va pas vouloir reprendre, en fait. Si tu n'es pas de parole. Jamais livré au bon moment. Jamais livré au bon. Je crois pas, je pourrais refaire des essais dans mon coin, mais ça va être complexe. Ça va être complexe. Bon les gars, c'est pas grave, vous savez quoi? On a déjà un peu les styles. Casu pourra peut-être essayer de bidouiller. On verra si la version est cool en bidouille ou pas. Vraiment, Casu, tu me diras ce que tu arrives à faire, si tu as des trucs ou pas. Mais sinon, la version telle qu'elle, là, elle est déjà insane, les gars. D'accord? Elle est déjà insane. T'as enlevé les paroles, Gigi? Non, je les ai remises. Je les ai remises là, tu vois. Ça fonctionne pas. Ça marche pas. Mais bizarre. Je vous propose. En fait, ce que je peux vous proposer, c'est tout simplement d'écouter l'entièreté. Avec un peu d'émotion, puisqu'il s'agit ici de la dernière chanson officielle de l'album. Après, sur le vinyle, j'ai déjà des idées. J'ai déjà des idées de chansons que je sortirai exclusivement, bien sûr, pour vous, pour les gens qui achèteraient le vinyle. On y va. On y va. Hein. Je suis 3047, je l'ai dit. On est en train de plier un classique et c'est très, très largement notre chanson la plus longue. Passer une commande sur Internet. Il me fallait être livré en vitesse. J'ai choisi Chronopost, que je suis bête. Pour un soi-disant service express. Le rendez-vous est pris. J'ai posé mon lundi.
j'ai bien été livré. Mon colis est visiblement perdu. J'ai comme l'impression qu'on me l'a volé. C'est toujours pareil, j'en ai ras le cul. Le rendez-vous est pris à la gendarmerie. Jamais livré au bon moment. Il sort pas chez moi, ce gros chien. Un vide de passage pourtant présent. Colis ouvert dans mon jardin. Mais pour Chronopost, tout va bien. Ils sont tranquilles, toi t'es la team. Je suis jamais livré. Oh les gars, c'est une tuerie. C'est... Vas-y, j'ai l'impression que je dis ça... Non, en plus, je dis pas ça pour toutes, mais celle-là, c'est mon top 1. C'est vraiment mon top 1. Elle est insane. Gigi, j'ai trouvé ça. Je sais pas si ça marchera. Spoken Cheering Crowd dans la playlist d'un gars qui fait des versions live. Ah, il y a un mec qui fait des versions live. Alors, attends, on va regarder. Un mec qui fait des versions live, flip. Ok, et du coup, ça donne quoi dans ces trucs live? Spoken Cheering Crowd... Ah, du coup, ça dit. Enfin, il faudrait que j'écoute. Burn it right! Think of all the people, the song. The swing is bold, the handle flip as I am. Don't talk to. Don't talk. Don't talk. So. So. C'est stylé ce qu'il fait, mais il est trop fort! Flip the table. Here it comes. Heavens. En vrai, ça marche bien, hein, putain, je sais pas comment il fait. Le mec fait juste crier les gens, ça me fume. Live concert. Live. Live. Après, je sais pas si ça marche avec. C'est... Par contre, c'est trop bizarre parce que vous voyez ce qu'il a mis là. Il a mis plein de symboles bizarres, etc. Live concert noise, spoken vocalist. Est-ce que ça pourrait être. Spoken cheering crowd, ouais. Là, tu as mis spoken cheering crowd et il crie quoi. Il crie, mais est-ce que je dois mettre entre parenthèses peut-être le truc? Est-ce que vous voulez qu'on réessaye vite fait avec ça, nanana, extend. Là, on met comme ça peut-être. Spoken cheering crowd. Et là, on met entre parenthèses peut-être, tu vois. Ah, c'est peut-être ça qu'on a besoin. C'est vrai que j'ai oublié les parenthèses. Hein. Les parenthèses, c'est répété, tu vois, c'est un corps. Tu lui dis là, flip the table. Tu bidou baba, bidou baba, bidou baba, babam, tabidou boubou, bidou baba, boum boum. Si ça passe, ça peut être fou, quoi. Il en a rien à foutre. Il s'en bat les couilles, ça ne l'intéresse pas. Ça a vraiment à aucun moment... Non. Live concert noise. Est-ce que, peut-être que je dois prendre plus avant aussi, c'est peut-être ça, quoi. Parce que là, je prends à 3.16. Je prends à 3.16. Peut-être que c'est à cause de ça aussi, tu vois. Lui, il fait ça. Est-ce que je dois pas prendre un petit peu avant le 3.16? Je fais ça, librairie. Donc, on avait écouté, c'était celui-là. Nous, on est à 3.16. C'est là où on a pris, c'est très loin. On peut tenter, hein. C'est the hall for the hall. À 3.02 peut-être.
Peut-être qu'on devrait prendre à 3-0-2, les gars. Et on a plus le solo, mais on a peut-être autre chose. Vas-y, essayons. On est là pour faire des tests. J'y ai cru quand je suis tombé dessus. Ouais, mais en fait, je crois que c'est très compliqué pour l'IA, même si c'est une IA et que globalement, tu lui dis à peu près ce que tu veux qu'elle fasse et elle le fait. Si elle est déjà sur sa lancée, elle préfère continuer parce que elle se dit, bah non, le changement, il est trop abrupt et c'est trop bizarre, quoi. Donc des fois, il faut juste à l'extend d'ailleurs. Que je devrais pas lui faire faire une interlude, un truc comme ça, parce qu'à 3-0-2, live concert noise, le mec il nous met quoi, spoken vocalise, spoken cheering crowd, yeah, ah ouais, tiens je vais prendre ça là, je vais le copier-coller, hein. J'en ai plus rien à foutre hein, mon gars, voilà, ok, ok, singer, a cappella, crowd singing along. Ça en fait des mots, hein. Ça en fait encore des mots. J'ai le petit yeah, peut-être. Est-ce qu'il va être pris, tu vois, le petit yeah, ou est-ce qu'il va, il va être ignoré? C'est la question. Merci, Pankafunk, pour ton tier 1. Merci beaucoup. Merci, les gars, pour booster ta SACEM. Mimi, j'avais pas vu. Merci aussi. Bah, tu vois, là, ça pourrait être par yeah. On pourrait avoir un truc, là. Sympa chez moi, ce gros chien, avis de passage, pourtant présent, colis ouvert dans mon jardin, mais pour Chronopass, tout va bien. T'as vraiment, si on a le public qui chante, c'est le banger. Ouais, t'en vas sans forcer du tout, hein. Pas les gars, est-ce qu'il faut, j'ai envie de le trouver, le secret. En fait, si on trouve le public, je pense que no joke, on détrône les chanteurs américains. Non, là les gars, le titre est trop fou, c'est, je sors de Fantasyland, mec, à l'instant, c'est un putain de banger. Mais oui, Axel, mais oui, j'espère que tu t'es régalé. Fantasyland, le pur banger Fantasyland. Peut-être mettre chaque vers entre parenthèses. Ah ouais, attends, ouais, t'as raison, jamais livré au bon moment. Ensuite, je saute une ligne, peut-être. On va, franchement, au point où on en est, on va tout essayer. C'est-à-dire qu'on va voir s'il faut même qu'on voit avec genre public, chanteur, tu vois, j'en sais rien. Peut-être que chaque vers, on doit mettre rajouter un truc. J'en sais rien, je sais pas. Je vais faire ça. Là, spoken cheering crowd, je vais le mettre... Je tente, je fais n'importe quoi, tu vois, mais on y va, on teste. Des fois, il faut en générer plusieurs et t'en as un qui est bon, quoi. Au bon moment, putain, dommage. Ce gros chien, colis ouvert dans mon jardin. Colis. Non, c'est pas le public encore une fois. Non. Les gars. Ah, c'est long, mais on peut le cut, ça. Ah, dommage. C'est un livré, il a dit. Sympa chez moi, ce gros chien, vie de passage.
pourtant présent. Colis ouvert dans mon jardin. Mais pour Chronopost. Ok, on... dans l'idée, ce serait ça, mais en bien, quoi. C'est pas si mal. Non. Ah putain, bâtard. Non, lui, il a pas voulu, juste il a pas envie. Ok, très bien. Ok, j'enlève ça. Ok, c'est pas bon non plus. Génère, on va générer. On va... Ah, c'est chiant, les gars, mais faut qu'on trouve. Si on trouve la bonne, on est les rois du monde. Il le fait pas non plus ici, il le change. Ils sont pas chez moi, ce gros chien. Habit de passage, pourtant présent. Colis ouvert dans mon jardin. Là, c'est dommage parce que ça, c'est pas mal. Mais c'est sa voix. Faudrait que ce soit la voix du public, tu sais, qu'on entend un peu le public chanter, etc. C'est dommage parce que dans le style, ça marche, quoi. Crouching, on l'a mis crouching. C'est ça, Sherry Crouch. Donc c'est pour ça que c'est bizarre que ça ne passe pas, en fait. Tu veux dire comme ça, Casu? Mon colis est visiblement perdu. Ah oui, d'accord, lui il reprend toute la musique, s'en bat les couilles. J'ai comme l'impression qu'on m'a volé. C'est tout. Corps ou gospel? Ah oui, bah d'accord. Gospel, a cappella peut-être. Ah, il veut pas. S'il te plaît, sors-nous. Juste, on demande juste un public. Parce que là, globalement, c'est ce qu'il fait, quoi, le mec. Hein. C'est des spoken vocalists, live concert noise, spoken cheering crowd. Vraiment, c'est... Flim flips the table, il en a fait un milliard. Hein. Je sais pas ce qu'il a avec la table. C'est un fétichiste de la table, peut-être. Mais ça a l'air de fonctionner, quoi. On a rien, tu me donnes rien, tu vas me donner quelque chose ou pas? Donne-moi quelque chose. Mec, il passe de fou à trio là. Non, ah, il a mis crowd cheering dans le style de la musique. Ouais, voilà, de toute façon, on y est aussi, donc je peux le rajouter pour la fin, mais ça changera pas grand chose, je vais pas te mentir. Merde, là, c'est là.
Attends, celui-là, j'attends qu'il me, il me sorte une minuterie en dessous du... Ah ben c'est bon. Vas-y, vas-y. Ok, j'ai peut-être une idée. Il faudrait qu'on prenne ça, qu'on le cut. Alors, comment on ferait pour le cut? Est-ce qu'on peut le cut ou pas? C'est ça la question. Non, je peux pas cut ce qu'il y a avant. Je crois que je peux pas cut ce qu'il y a avant. Extend, reuse prompt, get item, generate vidéo, go to song radio, link, copy, public, share, download, report. Je peux pas le cut en fait, ça casse les couilles. Au moins, il a capté. En vrai, c'est pas mal. Faut juste un peu plus fort. Mais ça, il est très bien. C'est lequel? C'est lui. 1,59 là. Je mets un petit like. Je le renomme. Raise prompt. Get tech tech tech. Move to trash. Edit détail. Add to place. Get stem. Get all song. Non, je m'en fous. Je peux pas le renommer. C'est pas grave. Edit détail ici. Lui, ce sera juste public champ. Chronopost. Ok, on a un truc. Là, on a un truc, les gars. Lui qui chante Chronopost, ça, c'est pour Casu. Mais au moins, il a capté. Il a capté un peu le délire. Mais c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, du coup, de ce détail-là. Ça, j'aime bien. Ça, si on peut l'amplifier derrière. Ça me semble pas mal du tout, sachant que si tu reprends là, tac, 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 tac. Là, ce que je peux faire, c'est l'extend ici, casu. L'extend à partir de là et te mettre un vrai refrain de fin pour le clôturer. Et du coup, si tu prends ça et que tu prends cette partie-là et tu la colles à l'autre, ça peut marcher. Mais attends, je vais mettre de côté, peut-être qu'on en a d'autres qui fonctionnent. Peut-être qu'on en a d'autres, hein, mieux. Là, on a la police carrément dans le concert. Ah merde. Il y a une embrouille. Overdose dans le concert, les gars. La drogue circule. Métallique. Trop métallique, trop bruyant. Non. Oh là, oh là. Oh les gars, ça y est, oui, oui, oui. Enfin. C'est comme un signe, mesdames et messieurs, le dernier, the last one. Oh putain de merde. J'ai envie de chialer, j'ai envie de pleurer, t'es d'émotion.
Ok les gars, j'annonce, on la perd pas celle-là. Tech, on met un like. On va dans librairie, publication chronopost, ça dégage, on en a plus rien à foutre. Enfin, du coup, celui-là, c'est bon, il est nul à côté. Ça, c'est la full song. Donc la full song, là, il faut que je fasse get the wolf song, je pense, et qu'ensuite je remette un refrain de fin, je pense. Attends, je vais faire get the wolf song. Get wolf song, guys. Ok, il est en cours. Il est en cours et je le re-extend pour remettre un refrain ou on termine avec le refrain public, comme vous voulez. Ah les gars, je vous jure, ça a été dur, merci. Bonjour Jira, allô Diovixa, bonjour les viewers, capable, je viens de rentrer dans la rédaction et mon pote du Discord m'a envoyé le clip, alors je n'ai pas pu m'empêcher de me sub pour voir la rediff. Merci pour cet accueil de l'article, pour prouver que c'est bien moi. Putain, j'ai pas vu la suite, excuse-moi. Pocafunk, c'est Valère les gars, qu'est-ce qu'il nous a dit? Vous voyez que c'est bien moi, à la fin, quand on s'est quitté, vous avez croisé des amis à vous pour l'inviter. Oui, non, mais t'inquiète, Voga, je te crois sur parole, mais tu n'étais pas obligé de te sub, merci, c'est gentil. T'étais pas obligé, il y a aucun souci, il y avait la rediff gratuite qui arrivait sur YouTube, et GG pour l'article. C'est magnifique. C'est beau la fin avec le public, allez, vas-y. Ouais, les gars, je vous propose, je suis désolé, on se la réécoute. Je veux le produit final, The Wall Song, guys, librairie. Écoutons ça, c'est parti. Si vous venez d'arriver, Chronopost version définitive, le secret banger de l'album, let's go. Ouais putain, j'avais. Tu passes une commande sur un. Il me fallait être livré en vitesse. J'ai choisi Chronopost, je suis bête. Pour un soi-disant service express. Le rendez-vous est pris, j'ai posé mon lundi. Pas de bonne livraison reprogrammée. Le rendez-vous est pris entre 8h et minuit. Jamais. J'ai bien été livré. Mon colis est visiblement perdu. J'ai comme l'impression qu'on me l'a volé. C'est toujours pareil, j'en ai ras le cul. Le rendez-vous est pris à la gendarmerie. Jamais livré.
Man. Oh, le concert de Simple Pipe, les amis. Je sais pas si vous étiez avec moi pendant 3 minutes 53, mais j'ai adoré. Mais quel groupe en live, c'est des frissons. Hein. Oh là là, en live, ils sont extraordinaires. Oh, j'ai les larmes, frère, c'est magnifique. Waouh. Putain. Incroyable. Ah non, c'était c'était fou. 4 minutes de plaisir, il n'y a pas eu un moment en tout. Alors par contre, vu qu'on a dû, pour avoir ce rendu, couper un peu avant, on n'a plus malheureusement le moment live où il dit « ils sont trop nuls, j'ai pas raison là-dessus », mais honnêtement, c'est pas grave. Juste pour le crowd de fin, c'est fou. C'est le final, Simple Pipe au concert du The Event. On essaiera de se produire, on fera quelques petites scènes. Mais waouh, j'ose le dire. C'est directement voilà, la version terminée, publique. Je la mets en public et je la mets dans l'album, mesdames et messieurs, Add to Playlist, Simple Pipe, Jiraiya. Voilà, on peut aller checker donc la playlist, hein, la playlist qui a bien évolué. Voilà, la playlist qui est totalement évidemment en public sur Suno. Si vous voulez écouter les versions, les raw versions originales, par exemple, c'est vrai qu'on a Big Calvitie qui s'appelait La Calvitie avant, mais qui fait que 1 minute 37 au final, qui était plus courte que même la version qu'il y a sur YouTube. Ça a été un peu édité par l'ami Kazu, quoi. Il y a des petits changements à droite à gauche, mais l'évolution part de Pipé, bien sûr. Quand je t'ai vu. C'est un classique, voilà, tout le monde la connaît maintenant, Pipé, c'est ce qui a fait l'album, ce qui lance l'album, donc énormément de respect pour Pipé, bien sûr. Big Calvitie, Ma Femme Pas Jalouse, le FC Silmi qu'on avait repris voilà, en bonne version, l'URSAF qui a été un peu le début de, bah, d'un nouveau style d'écriture, d'un nouveau style d'extend aussi au niveau des chansons. Et à partir de l'URSAF, il y a eu un avant, un après. À partir de l'URSAF, on est monstrueux, streamer dur métier en feat, évidemment. Avec Nickel Pipe, la SNCF qui était mon secret banger, et là aujourd'hui Chronopost. Les amis, Chronopost, ça va sortir vite sur YouTube. Je vous le dis, ça va sortir vite sur YouTube. Kazu, il est déjà dessus. Je pense honnêtement que c'est notre. C'est mon top 1 de tout l'album. Je le dis hein, sans trembler des genoux. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est la 11e chanson. De l'album, il y aura une secret track hein, peut-être bientôt sur le vinyle. Pff, on finit l'album avec ça. L'album est officiellement fini, les gars. Voilà, l'album est officiellement fini. L'album va officiellement sortir sur toutes les plateformes de streaming audio. Donc vous allez retrouver toutes les chansons, celles qui n'étaient pas encore sorties, etc., sous la même bannière, la bannière Jiraiya de Simple Pipe. Bien sûr, l'artiste avant tout, c'est Simple Pipe. Bien sûr, c'est le groupe qu'on adore. Mais c'est extraordinaire. Du coup, on peut se dire, tu vois, pour terminer tranquillement ce live, est-ce que vous voulez qu'on fasse une... Le mec qui dit ça quand même, hein. Les gars, on se fait une première écoute de l'album ou quoi? Est-ce qu'on se fait ça? On se fait une écoute de l'album complet ensemble, ou et puis ensuite on regarde un peu ce qui quelle est votre chanson la préférée? On fait des votes, on y va, on voit ce qu'on a produit. Franchement, c'est un travail commun, les gars. C'est un travail commun. Donc voilà. Maintenant que l'album est fini, tu ferais une première écoute aux versions de version Jiraiya. Attends, quoi, Jiraiya que j'ai fait? Attends, j'ai rien compris. Je l'ai mis sur celui-là. Ah oui, d'accord, ok, ça, je comprenais rien au truc. Enfin, oui, j'avoue, faudrait que je l'écoute effectivement. De voir l'album de Noël pour faire bouger mamie sous le sapin. Alors, si y a album de Noël, peut-être Simple Pipe reviendra avec des sonorités plus simples, plus Michael Bublé. Michael Bublé, bien sûr. J'avoue, EDF mérite un morceau. Les gars, autant je ferai jamais dopé avec SFR, avec la SNCF ou Chronopost, autant EDF, ils ont déjà sponsor un grand quiz quand même. Donc voilà, j'ai une petite déboire, mais wow, pas super. Si jamais, moi, je suis toujours chaud. S'ils veulent financer un petit grand quiz, c'est du... Bon, après, EDF, ça peut arriver sur le prochain album. Hein. Ça peut arriver très très vite. Hein. Non, EDF, bon, j'adore EDF, hein, les gars. Je kiffe. Hein. Vous voulez qu'on se fasse la première écoute de version... si vous voulez, je vous fais écouter plutôt la version Suno, parce que vous avez la version YouTube,
Là, c'est la version originale, tu vois. C'est la VO, on peut tout réécouter. Donc, il y a certains morceaux qui sont plus courts. Je pense notamment à la calvitie, enfin à Big Calvitie, du coup. Et je crois que SFR a un truc qui est un peu différent sur la deuxième... sur la deuxième, le deuxième couplet, je crois. Mais c'est tout. Donc, bah, vous savez quoi, on va commencer tranquillement avec Big Calvitie. Voilà, je sais pas pourquoi elle est en première dans la playlist, mais je me mets une petite Big Calvitie. On s'écoute ça. Écoute, et à chaque fois, vous me dites si c'est votre top 1. Il y a 10 chansons, hein, 3, 6... 9, 10, 11, 11 chansons, pardon. Parce qu'il y a une reprise, il y a un featuring. Donc sur les 11, vous me faites un petit classement à chaque fois. Vous me dites, ok, celle-là, je la mets en 2 sur 11. C'est mon top 2 sur 11, tu vois, entre guillemets. Donc voilà. Et après, vous me ferez la totalité, ok. Tu peux pas organiser les sons de ton album. Voilà, je les ai laissés tels quels, mais je pense que je peux les organiser en VDV. Mais c'est pas très grave, quoi. On connaît déjà le top 1. Bah, on va voir. Pendant longtemps, j'ai porté un bonnet. Pour tout le monde, c'était une habitude. Mais en dessous, c'était mon petit secret. Qui aurait cru à une telle amplitude? Un soir en cuisine chez Domingo, c'est simplement parti en air football. La suite a défié tous les pronos. Tout est révélé, c'est pas de bol. C'est la calvitie, le fou malade. Personne n'imaginait la dinguerie. Révélé par une petite cascade. On la voit, c'est la vie de calvitie. Ça, c'est déjà un peu différent de la version définitive. Non, je n'irai jamais en Turquie. Je n'ai plus un poil sur le caillou. Être chauve, c'est vraiment très sexy. Aujourd'hui, c'est tendance que des jaloux. C'est la calvitie, le fou malade. Personne n'imaginait la dinguerie. Révélée par une petite cascade. On la voit, c'est la vie de calvitie. C'est la calvitie, le fou malade. Personne n'imaginait la dinguerie. Révélée par une petite cascade. On la voit, c'est la vie de calvitie. Alors on fera un dingue. En VDV, celle-là, je sais que c'est pour beaucoup, c'est dans le top 3, hein, calvitie. Et je rappelle que c'est comme quoi, c'est fou, hein. Écrit sur mes chiottes, littéralement, quand j'étais sur le trône. Attends, je crois que je suis un peu flou. Je suis mi-flou, ouais, c'est bon. Ouais, ça a l'air d'être ok. Big Calvitie, elle est vraiment insane. Elle est vraiment insane, elle est très bonne, elle fait le taf, elle est très courte malheureusement. Elle a été écrite en V3, il y a beaucoup de chansons qui sont en V3, c'est qu'à partir de SFR hein, qu'on passe en 3.5, tout le reste est en version 3. Donc petite différence de voix, légère, etc. Sachez que ces chansons étaient générées, Pipé, Ma Femme et Calvitie ont quand même été générées uniquement avec pop rock. Alors pop alternative rock, tu vois, là pour Ma Femme. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, le prompt il était très léger, on venait de découvrir hein. Donc ouais, pas ouais, mon top 3 commence à partir dur, ça va, ok, moi je vous donnerai mon top 11 juste après, d'accord, sur les... on écoute et ensuite on verra. Bon, là je vous passe un classique, le banger, le hit de l'album, le single également, le son de l'été, bref. Quand je t'ai vu sur la plage, je n'avais pas envie d'être sage. Oh mon Dieu, quelle beauté. Si seulement tu pouvais me piper. Oh ouais, j'ai juste envie de me faire piper. Oh oui, piper. Toute la journée, c'est tellement bon de se faire piper. Oh ouais, juste se faire piper. Oh ouais, juste se faire piper. Ça c'est... C'est tellement bon ce que tu me fais là, je fonds. Boum, n'arrête jamais de piper. Juste envie de hurler. Oh ouais, j'ai juste envie de me faire piper. Oh oui, piper. Le prédateur. We'll be right back.
merci Zio pour le 40e mois aussi. Merci les amis pour les subs et les resubs. C'est l'album de l'année. J'ai juste envie de me faire piper. Ok les gars, ça pour moi c'est l'hymne de l'album, c'est de là que tout part, je veux dire, c'est tellement en place, moi je vous spoil un peu, c'est forcément dans mon top 3, c'est forcément dans mon top 3, d'accord? C'est forcément dans mon top 3, je peux pas, même si le cœur, la raison et tout, c'est forcément top 3, ça peut pas être en dessous de top 3, d'accord? Par contre, là j'ai une vraie question, est-ce que je dois faire un clip? Est-ce que je dois faire un ou plusieurs clips? Je pense qu'il y a, certaines chansons, j'ai vraiment envie de faire un clip. Je vous promets que Chronopost, je vois trop un clip en animation. Hein. Faut que je trouve un man qui fait de l'animation. Et il me fait juste, je veux un clip animé. Je veux un clip animé pour le sortir. Montargis, je peux aller tourner dans Montargis. Non, c'est non, la question c'est qui va faire le clip. Bah, j'ai déjà des idées, j'ai déjà des possibilités, ouais. Donc voilà, clip en IA. Non, clip en réel. En fait, il faut vraiment que faut qu'il y ait une histoire derrière Simple Pipe. Faut que le groupe vive. Il faut d'ailleurs que moi, le chanteur de Simple Pipe, faut que ce soit évidemment moi, mais que ce soit un alter ego, faut pas qu'il soit chauve. C'est, tu vois, j'ai déjà pensé à des trucs, d'accord. Donc, ah bah les gars, ça vit, hein, ça vit. Ok. Bah, on parlera du top pour vous, pipé. Au pire, on se donne tous le top après l'écoute des 11 chansons, d'accord. On se donne le top après les 11 chansons. Ma femme pas jalouse, qui a été écrite rapidement également. Très belle chanson. Ma femme, elle l'adore. Vous savez qu'elle la fredonne. Elle l'a dans sa playlist. Elle la chante, cette chanson. J'étais encore étonné aujourd'hui. Elle était là, elle rentrait des courses et puis elle chantait ça. J'étais en mode, mais attends, tu chantes vraiment mes chansons? Elle fait, non, je chante Simple Pipe. Ça me fume. Je vous ai déjà parlé de ma femme. Ma première abonnée, ma plus grande fan. Elle n'est absolument pas jalouse. Je peux aller voir d'autres filles aux pépouses. Si tu souhaites me faire la bise, garde à toi avant qu'elle t'atomise. Ma fille dit que je peux avoir des amis, mais c'était sans compter sur Émilie. Je l'aime plus que ma vie. Quand je reçois un cœur par message, attention au changement de visage. Ce n'était pas une fille, c'est promis. Il s'agissait de ce bon vieux Xari. Si tu ris trop à mes blagues, car à toi c'est direction Goulag. Je pensais pouvoir faire une sortie, mais c'était sans compter sur Émilie. Je l'aime plus que ma vie, elle m'aime plus que ta vie. 10 ans de bonheur ensemble, des souvenirs qui nous rassemblent. Là, vous voyez, contrairement à la version définitive sur YouTube, là, normalement, il y a un autre refrain. Parce que Cazu, quand c'était trop court, il les a modifiés pour qu'elles soient un peu plus longues et tout. Vous voyez les petites différences comme ça? Eh oui, ma femme pas jalouse. Très bien, c'est la plus sérieuse au final. Si on y réfléchit bien, c'est la plus sérieuse. Moi, je l'aime beaucoup celle-là, mais elle est différente. C'est un peu la chanson de l'over de l'album. C'est le moment, une petite ode à l'amour tout en étant taquin. Voilà, on a un petit truc, quoi. C'est vraiment pas mal. C'est le son du love. J'aime bien. Tu sens que la V3, par contre, la voix est un peu différente. Alors, FC Simi, je pense FC Simi, c'est certainement la moins aimée de toutes. C'est celle qu'on avait écrite, on n'avait pas du tout écrite pour l'album à la base, on avait fait des tests, c'était quand on découvrait l'outil à la place d'un vendredi React, et puis bah je l'ai juste prompté rapidement, dès que j'ai trouvé un truc sympa, je l'ai mis, voilà, elle est là. Moi honnêtement, je trouve qu'à force de l'écouter, c'est une chanson que j'aime beaucoup, voilà, je le dis, je l'aime bien sur FC Simi. Cette année, une guerre à la main, toujours forcé pour la dernière. Une soirée qui finit au matin, demain sera une nouvelle galère. Quand ils arrivent sur le terrain, personne ne fait le malin. Ce sont les cavaliers de l'apocalypse. Attention à la tempête éclipse. C'est le FC Simi. Ouais putain, pas besoin de penalty, parce qu'on a entendu ce qui. C'est
connaissez Simi. Je sais les amis. Un jour peut-être. Sur l'aile droite c'est Zizou. À la vitesse du guépard. Pouf pour la shot c'est Chichou. La frappe va nulle part. Après minuit voilà le sans visage. Heureusement l'eau à nous ça carie. Le match vire au naufrage. Mais qu'est-ce qu'on a mis. C'est le FC Simi. Ouais putain comme de virus. Toujours à la mine. Heureusement il a sa bidine. C'est le FC Simi. Le coach veut mettre un ballon. Mais il frappe comme un clown. Mais il frappe comme un clown. Voilà, le FC Simi, toujours un petit banger, j'aime bien. Je pense que moi, je la mettrai 11e de l'album parce qu'elle n'est pas prévue pour l'album à la base. Mais c'est pour vous dire le niveau de l'album. Celle-là est 11e, alors que c'est un hit, c'est fou. L'URSSAF, l'histoire de l'URSSAF, c'est beau quand même. Hein. On s'est dit, album à charge, on commence à écrire des trucs de fou et tout. L'URSSAF, les gars, faut quand même pas oublier que c'est à partir de là qu'on commence à extendre, qu'on commence à faire des chansons de plus de 2 minutes. Donc l'URSSAF, elle a d'ailleurs une structure de chansons un peu différente. Avec des rimes, un truc très très saccadé, avec une intro, l'URSSAF c'est quelque chose, ça marque le changement dans l'album. J'aime bien, je parle vraiment comme, en tant qu'artiste hein, aujourd'hui engagé. Donc l'URSSAF c'est un gros changement dans l'album. J'ai reçu un recommandé qui m'a demandé de payer. J'ai lu un truc qui m'a choqué. C'est l'URSSAF bébé. Ils sont là pour les cotisations. Après leur passage, j'ai mal au fion. J'ai eu comme une drôle d'impression. Celle d'avoir été pris pour un con. Attention c'est l'URSSAF. Ils en veulent à mon taf. Si tu payes pas fais gaffe dans tout à la plaque. Avec le refrain incroyable. Le refrain incroyable. Ça c'est du refrain rock. Là le petit piano. S'il t'arrive un petit souci, ne compte pas sur nos sympathies. Prépare-toi à la dinguerie, ferme du avis au lundi. Ils sont là pour les cotisations. Après leur passage, j'ai mal au fion. J'ai eu comme une drôle d'impression. Celle d'avoir été pris pour un con. Attention c'est l'URSSAF, ils en veulent à mon taf. Si tu payes pas fais gaffe, le retour à la cave. Je me fais saigner dans tous les cas. C'est pas pour demain la villa. Je me contente de la Tesla. Il faut se battre. Ils sont là pour les cotisations. Après leur passage, j'ai mal au fion. J'ai eu comme une drôle d'impression. Celle d'avoir été pris pour un con. Attention c'est l'URSSAF. Ils en veulent à mon taf. Si tu payes pas fais gaffe. Le retour à la cave. Dans le cul l'URSSAF me met toujours très très bien. Elle est incroyable hein, celle-là aussi. Elle est vraiment 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 insane. Le dans le cul l'URSSAF de fin il met extrêmement bien. C'est vrai qu'on a c'est un moment, on a créé un moment de partage, un moment fou. Par contre à chaque fois vous me dites que des fois je chante par dessus, que c'est en décalage. C'est en décalage, est-ce que je suis en avance? Parce que moi je suis en parfaite harmonie avec la musique qui est dans mon casque. Ça veut dire que c'est le micro qui est en décalage par rapport au son du bureau que vous recevez. Du coup est-ce que je suis en retard? Ah, donc en gros, vous avez, par exemple, quand le mec, il dit, je sais pas moi, attention, c'est l'URSSAF. Si moi, je chante attention, c'est l'URSSAF, vous entendez d'abord le mec et ensuite, c'est moi, c'est ça? C'est bizarre, ça. Il faudrait que je vous mette... Est-ce que je peux décaler l'audio? Desktop audio. Parce qu'en vrai, si j'ai envie de chanter sans vous réduire le truc... Décalage... Faut que je mette en moins 1, c'est une syllabe environ. Est-ce que si je mets moins 100 sur le desktop, ok.
J'ai mis moins 100 pour voir si ça marche. Vous allez me dire c'est à quel point c'est en décalage si je vous prends un truc... je sais pas là. Je vais baisser le son mais juste je vais lire en même temps. Tic tic tac, c'est quoi ? Pour les cotisations, après leur passage j'ai mal au fion. J'ai eu comme une drôle d'impression, celle d'avoir été pris pour un con. Je suis en décalage total ou pas ? Toujours pareil. C'est bizarre. C'est pire ? Ok, toujours pareil. Pourtant j'ai décalé le... Ah, attendez. Vas-y, attends. Non, c'est bien le desktop, c'est pour voir. Putain, c'est bizarre. Si c'est pire, ça veut dire que c'est dans l'autre sens alors. Moi, je sais jamais si c'est dans ce sens ou dans l'autre. Ok, si je mets 100, on va voir. Ok. Ça marche. Je vous le remets, je relis en même temps. Ils en veulent à mon taf, si tu payes pas fais gaffe, le retour à la CAF. Oh, 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 oh. Presque, c'est mieux. Mais 200, ok, je mets 200. En vrai, c'est important parce que au-delà de la musique, quand moi je réagis à un truc qui se passe en son sur mon ordi, c'est relou. Si genre je fais un react d'un truc et je sursaute à un moment que je veux que ce soit calé, bah si c'est pas calé, c'est un peu merdique. Vas-y, on refait. Dinguerie, fermé du lundi au lundi. Wouh! Ils sont là pour les cotisations. Après leur passage, j'ai mal au fion. Ok, c'est bon. Merci les gars, c'était juste pour se caler. Merci le chat, merci la team. Nickel, parfait. Ça, c'est ma team, ça. Les amis, je pense que pour beaucoup, c'est peut-être le top 1. Pour beaucoup. Il y en a plein de top 1, mais en tout cas, celle-là, elle est à charge, elle fait mal. Elle est sans l'intro qui est sur YouTube, évidemment. C'est la version Raw, la version, évidemment, sortie sur Suno. C'est SFR. Non, pas J'ai récemment emménagé. Je n'avais pas vraiment le choix. Il me fallait être connecté. Pas de poche, c'est tombé sur moi. C'est le fournisseur de l'angoisse. C'est vraiment de la big chasse. Il nous démarche tard dans la nuit. Il nous emmène direction l'enfer. Ce sont des vendeurs de tapis. Ce soir est pour toi les SFR. SFR. Et là, excuse-moi, je vous coupe, c'est à ce moment-là que c'est la différence avec la version YouTube. Le technicien est attendu pour un service vraiment haché. Mon wifi est toujours perdu, pourquoi continuer de payer? C'est le fournisseur de l'angoisse, je leur dois ma grosse calvasse. Ils nous démarchent dans la nuit, ils nous emmènent direction l'enfer. C'est l'heure de la résiliation. Nouvelle surprise, voilà des frais. On se la prend vraiment profond. C'est le fournisseur de l'angoisse. Ils sont toujours à la masse. Ils nous démarchent dans la nuit. Ils nous emmènent direction l'enfer. Ce sont des vendeurs de tapis. Ce refrain est pour toi les SFR.
C'est vrai qu'elle est dingue celle-là, c'est une dinguerie comme elle est folle. Et Sada, à bientôt, merci Sada, j'ai vu ton message. Hein. On est, je vous fais des petits cœurs avec les mains comme ça parce qu'on est en concert. Mais vraiment, on a créé un banger les gars, on a créé un album de fou. Vraiment, on a un album de fou. Je pense que SFR pour beaucoup, c'est dans le gros top. Gardez votre top. Il nous reste encore 5 écoutes, d'accord. Donc, et pour ceux qui n'étaient pas là pendant ce live, on a fini l'album, donc vous allez découvrir Chronopost. Si vous venez d'arriver, vous allez voir que vous allez hurler. C'est bref, on verra pour le top. Ici, Montargis, je passe dans le journal République du Centre. Montargois, très fier de Montargis depuis 2016. Je me considère Montargois, mesdames et messieurs. On devait écrire sur Montargis. Et Montargis, honnêtement, c'est un petit banger, c'est un petit coup de cœur. Elle est très très belle. Oh! On dirait un début de rap. La cité antique Montargis, perdue au milieu du Loiret. Chez nous c'est tellement petit, pour le bus y'a qu'un seul arrêt. Malgré les inondations, la Venise du Gâtinais garde son pouvoir d'attraction, même si j'ai failli m'y noyer. Bienvenue à Montargis, rien à voir. Culture. On reçoit peu de visiteurs, mais aucun bouchon en voiture. On est tranquille à toute heure. Ils ont brûlé ma pharmacie, mais il reste le cinéma. Maintenant plus de soucis, la ville vous ouvre ses bras. Bienvenue à Montargis, rien à voir. Réfléchis si t'es pas trop con. T'as une villa à Montargis, cette ville aux 132 ponts. C'est pas l'endroit qu'on choisit. Oublie la vue sur la mer. Ici pas de grande bourgeoisie, et on a Miss France au Leclerc. Bienvenue à Montargis. Montargis, en vrai, elle est mi-sérieuse quand même. Montargis, on parle de la ville, on fait des blagues, etc. Mais il y a l'écriture, donc elle est très bien écrite. D'ailleurs, on a été beaucoup aidé sur Montargis. Je crois que c'était CLS, hein, surtout, qui était sur le chat et qui nous a fait des couplets. Déjà, le premier couplet, les gars, le premier couplet entier, il est écrit par un viewer. Vraiment, je n'ai rien écrit du premier couplet. Donc vraiment, ce que je vous dis, que c'est notre album. Il appartient au peuple, c'est l'album du peuple. Donc... c'est premier degré, la musique me donne envie d'aller en vacances à Montargis, mais c'est vraiment, je vais aller voir l'office du tourisme, je vais leur dire les gars, vous êtes obligés, elle est sur Spotify. Alors celle-là est un peu spéciale parce qu'on a deux versions. Vous étiez tellement partagé entre les deux versions générées par l'IA que je n'ai pu m'y résoudre à rester que sur une version. Je n'ai pu me résoudre à rester que sur une seule version, donc on s'est dit qu'on
on ferait une espèce de featuring sur l'album. On a tout mis, on a mis une version live, on a tout mis sur cet album. Et donc, streamer dur métier, moi je trouve que c'est une chanson qui est géniale en termes d'écriture, qui est très drôle, qui est une satire du métier streamer, des mecs qui se plaignent, etc., etc. Franchement, en termes d'écriture, elle est très cool. Le refrain, il est méga, méga banger pour moi. Et les deux versions sont très cool. Donc, je vais vous faire écouter les deux versions. La version 2 étant le featuring avec Nickel Pipe, qui est évidemment, si vous l'aurez compris, une parodie de Nickelback, parce que la voix du mec me faisait penser un peu à ça, donc extraordinaire. On y va, on commence avec l'original. À 13h du mat, tu me réveilles, encore fatigué de la veille. J'ai la tête lourde comme une enclume, mais bon, va falloir que j'assume. Je vois du Oli au goulot, il est temps d'aller au boulot. En calmant sur le PC, pas le temps de me laver, ni de me faire à manger. Il me faut des abonnés, un moment faut faire du blé. Je me fais toutes les OP. Dur, dur d'être un streamer. Et on me voit comme un produit. Je n'arrête pas de voyager. Première classe, je suis fatigué. En direct de Disney, ça bosse. Mais quel métier vraiment atroce. En calmar sur le PC, pas le temps de me laver, ni de me faire à manger. Il me faut des abonnés. Un moment, faut faire du blé. Je me fais tout. Les OP, dur, dur d'être un streamer. Et là, on attend un truc avec le papa. Pas besoin de ma carte bancaire. Une seule story fera l'affaire. Avec Emma, je suis régalé. Même mon lit, je l'ai pas payé. Quand je sors, je fais des photos. Je voudrais juste être incognito. En calbar sur le PC, pas le temps de me laver, ni de me faire à manger. Il me faut des abonnés. Un moment, faut faire du blé. Je me fais toutes les opères. Et alors là, ici normalement se termine là parce qu'il l'a modifié, mais elle fait 3:33 parce qu'il y a un petit bug, un petit reliquat à la fin. Regardez, écoutez. Voilà. Un de ma carte bancaire. Une seule story fera l'affaire. On sait pas pourquoi il y a ça. L'IA a pété un plan, nous a rajouté un truc. Voilà. Donc ça a été cut par Casu, évidemment. Et ça fout en bonus track. Maintenant, la version streamer. Dur métier, la même à toutes. Je vais jouer à Dreamlight si jamais tu peux streamer. Ouais, t'inquiète. T'es caté ma gueule. Streamer dur métier donc, mais la version Nickel Pipe, vous allez écouter, elle est beaucoup plus courte au final, elle a 30 secondes de moins, hein, parce qu'elle fait pas 3:33 hein, la streamer dur métier, puisqu'il y a le truc qui bug à la fin, elle fait plutôt 3 minutes. Mais vous allez voir pourquoi elle est en featuring avec Nickel Pipe. D'ailleurs on remercie Nickel Pipe hein, qui a accepté de faire le featuring sur Simple Pipe. 13h du matin, je me réveille, encore fatigué de la veille, j'ai la tête lourde comme une enclume, mais bon va falloir que j'assume. Je vois du Oli au goulot, il est temps d'aller au boulot. En calbar sur le PC, pas le temps de me laver, ni de me faire à manger. Il me faut
c'est gratuit. Et on me voit comme un produit. Je n'arrête pas de voyager. Première classe, je suis fatigué. En direct de Disney, ça bosse. Mais quel métier vraiment atroce. Trois calvars sur le PC. Pas le temps de me laver. Ni de me faire à manger. Il me faut des abonnés. À un moment, faut faire du blé. Je me fais toutes les OP. Dur, dur d'être. Alors, vous comprenez pourquoi on a dû mettre les deux ? Nickel Pipe, dès qu'il est arrivé en bonus track, les gars, il a mis tout le monde d'accord. Je peux vous dire que les gens ont milité pour que cette version... C'était tellement serré entre les deux votes. La première version, on passait à vraiment, je crois, à deux votes. C'était si serré. Je dis, les gars, je vais mettre les deux. Je vais vous faire les deux, ce sera une bonus track. Et on l'a fini. Celle-là, elle est folle. Hein, elle est vraiment folle. Et en plus, bon, bah, streamer, dur métier. C'est notre métier, c'est fou, c'est extraordinaire. Bon, bah... C'est fou quoi. Si tu clips Nickel Pipe, tu mets Zank en chanteur, je t'en supplie. Je te jure que Zank, c'est sa voix, hein, c'est lui. Hein. Il chante trop bien en plus, Zank. Zank, vraiment, il chante très très bien. C'est vraiment le boss, les gars. Il nous en reste deux sur cette première écoute d'album, Jiraiya. Sachant qu'il y aura une track secret pour le vinyle, je pense. Celle-là, pour moi, ça a été mon secret banger. Ça a été mon secret banger. C'est la dernière sortie en date, avant qu'on termine aujourd'hui. C'est mon gros coup de cœur. Elle est folle. J'ai rien à dire à part bah bon voyage pour la SNCF quoi. Plaisir des vacances d'été. J'ai posé tous mes congés. Train prévu à 14h. En retard, j'en ai bien peur. Toujours pas d'information. Sans aucune explication. L'attente est interminable. Le réseau n'est jamais fiable. Toujours en verre, quelqu'un vert. Prendre l'avion coûte moins cher. Les trains sont jamais à l'heure. Et voilà les contrôleurs. C'est la SNCF. Merci Fakito. Une personne est à ma place. C'est pas possible, ça m'agace. Enfin on va démarrer. Ça va être une longue journée. J'ai soudain toujours en tête, quelqu'un vert. Prendre l'avion coûte moins cher. Les trains sont jamais à l'heure. Et voilà les contrôleurs. C'est la SNCF. Et alors là, c'est l'IA qui nous a régalé le banger. Un petit pont. Toujours en grève, quelqu'un vert. Prendre l'avion coûte moins cher. Les trains sont jamais à l'heure. Et voilà les contrôleurs. C'est la SNCF. Oh oh oh. Le train vient de s'arrêter. C'est la faute d'un sanglier. On attend. Gagnard, perdu au milieu de nulle part. Ils nous donnent leur collation. C'est toujours une déception. Une bande de branquignoles. J'aurais dû prendre la bagnole. Toujours en grève, quel calvaire. Prendre l'avion coûte moins cher.
7. Pour moi, c'est mon secret banger. Là, elle est insane. La SN7, j'ai l'impression de dire ça à chaque chanson, par contre. J'ai vraiment l'impression, les gars, de dire ça à chaque chanson. C'est mon banger, c'est mon secret banger, c'est trop, c'est insane, c'est machin. Je suis désolé, mais SNCF, elle est violente, les gars. Elle est violente, quoi. C'est très dur, hein. Le top est très dur à faire, les gars. Le top est très dur à faire. Attendez, je crois la cam elle rebug. Et donc, pour ceux qui n'étaient pas là, voilà, qui viennent peut-être d'arriver, ça a bougé, voilà, machin, etc. On a fini l'album avec Chronopost. On a fait l'écoute tout à l'heure, ça a été très dur Chronopost, honnêtement. On a voulu faire une version live dans cet album. On a un featuring, on a une chanson d'amour, on a des chansons à charge, on a des chansons troll, on a des chansons, on a de tout. Et on voulait une version live. Je voulais une version live, d'accord? Pour le peuple, les gars. Salut Gigi, ça me fait penser que je suis resté bloqué 9h en gare de Lyon il y a 2 semaines à cause d'un arbre qu'un train a tapé. Voilà, bah tu pouvais mettre cette chanson à fond dans le train. Chronopost. Je vous laisse écouter, c'est juste au-delà de nos attentes. Préparez-vous. Alerte. Hit. Alerte banger. J'ai passé une commande sur un. Fallait être livré en vitesse. J'ai choisi Chronopost, je suis bête. Pour un soi-disant service express. Le rendez-vous est pris, j'ai posé mon lundi. Pas de livraison reprogrammée. Le rendez-vous est pris entre 8h et midi. J'ai bien été livré. Mon colis est visiblement perdu. J'ai comme l'impression qu'on me l'a volé. C'est toujours pareil, j'en ai ras le cul. Le rendez-vous est pris à la gendarmerie. C'est mon top 1.
C'est mon top 1, les gars. C'est mon top 1 avec la foule et tout. Et c'est déjà disponible sur YouTube. Non, arrête tes conneries, Casu. Tu l'as déjà mis sur YouTube pour que les gens puissent écouter. Oh là 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 là, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Oh là 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 là, putain, incroyable. Incroyable, incroyable. Les gars, vous pouvez faire votre top après cette première écoute. Putain, attends, je vais m'ouvrir ce magnifique. Incroyable, incroyable. Genre, je le dis avec mon compte, le banger de l'année. Voilà, je le dis, hop, c'est envoyé, vous avez le lien dans le chat. Alors, voyons voir les tops un peu. Hydraudo, tu as dit Calvissier en premier, streamer en 2, SFR en 3, SNCF en 4, streamer Nickel Pipe en 5. Ah ouais, toi t'as mis Calvissier là, c'est vraiment ton préféré. Ursaf en 6, Chronopost en 7, Ma Femme Pas Jalouse en 8, Pipé en 9, ou à la vache, Montargis en 10, et FC Sinimi en 11. Putain, c'est pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Après, donnez-moi votre top 3, top 5 au pire, hein, parce que si on fait tout, c'est compliqué, hein, mais je regarde, je vois Chronopost qui passait top 1 pour quelques personnes. Chronopost SFR, dur streamer original, dur streamer en featuring Ursaf, SNCF, Montargis, Pipé, Calvici, Ma Femme, FC Simi sera dernier, hein, je pense, de partout. Ah, Pipé qui est loin aussi, hein, pour beaucoup de gens. Pipé en 10 pour Dashing, SNCF numéro 1, normal, normal avec SFR. C'est, ça fait, ça tape, hein, ça tape. C'est insane. Non mais les gars, le son est insane, le son est vraiment insane. SNCF, streamer, un bonus track, Chronopost, SFR, Pipé. Putain, sinon, mais une vitesse à 85% des artistes actuels. Mais c'est surtout que je ne trouve pas ce que j'aime moi en ce moment dans la musique actuelle. On l'a déjà dit 15 000 fois, mais là globalement la tendance c'est un peu la musique, ce qu'ils appellent la musique urbaine, le rap, etc. Pas trop ma cam. J'aime bien retomber en enfance, et c'est pour ça qu'on a fait revivre tout simplement Simple Pipe aujourd'hui. Mais tu sais, du Sum 41, du Blink. C'était plus mes ambiances, tu vois. Good Charlotte. C'était plus mes ambiances à l'ancienne. Donc voilà quoi. Mais ça fait plaisir. Tiens, j'avoue, ambiance Simple Plan de fou. Mais ouais, Simple Plan ici, hein. On est en Simple Plan, man. Donc Simple Pipe. Oxaf 1, parce qu'il y a une punch que j'ai envoyée que t'as mise dedans. ADX, vraiment juste parce que t'as écrit un peu. Donc. Et le top 1 sur le sondage, vu qu'il peut pas tout mettre, il y a Chronopost. Hein. Chronopost qui est devant, mais il a mis des bangers. SFR, SNCF, Big Calvici. Moi, je dis c'est Chronopost. Hein. Moi, mon top, maintenant que je peux vous donner mon top ici, on va se laisser sur ce top. Mon top en 1, je mets vraiment Chronopost parce que, pour plusieurs raisons, je trouve que l'écriture est bonne, évidemment, mais je trouve que on a tiré encore une fois le maximum, le meilleur de l'IA. Peut-être un petit défaut sur Chronopost, je dirais, c'est que le troisième verse, et la voix est légèrement différente, et on l'a gardé légèrement différente, tu vois, c'est pas exactement la même avec les externes, etc. Voilà, c'est peut-être le seul truc que j'aurais à reprocher à Chronopost, mais au global, la chanson est incroyable, on a tiré tout ce qu'on pouvait tirer de l'IA ici, on a fait une version live. On a, à force d'abnégation, on allait récupérer aussi le public qui chante. Ça me régale. On finit sur une très belle chanson. Je la trouve folle. Et pour moi, quand j'entends Chronopost, premier degré, vous allez foutre de ma gueule, hein, mais je vois un groupe en train de chanter avec une foule devant lui, tu vois, et que les gens sont pa-pa-la-pa, genre c'est un opening d'anime, gros, c'est de la J-musique. Vraiment, je suis choc barre. Voilà, en top 2, moi je mettrais, en vérité, je mettrais SNCF en top 2 parce que c'est vraiment mon secret banger, je l'aime trop. Je mettrais en 3 Pipé parce que je peux pas retirer du top 3 Pipé, c'est impossible, c'est celle qui lance tout. Et après c'est trop dur, gros, c'est trop dur de faire un top. J'aime trop streamer en dur métier, la version de Nickel Pipe, elle est incroyable. On s'est ambiancé dessus. SFR méga banger avec l'intro que nous a rajouté Casu sur YouTube. Montargis, elle me régale aussi, c'est la ville. Ursaf, elle a un refrain insane. Ma Femme Pas Jalouse, c'est de la pure écriture. Big Calvici écrit sur mes chiottes, qui a un refrain de zinzin. Ouais, non, c'est trop dur. C'est trop dur d'avoir un top ici. J'ose le dire, les gars. Je le dis, mais de la manière la plus sérieuse possible. Je pense que l'album, il s'écoute banal, quoi. Quand je veux dire, si vous aimez le style de musique, je parle de style, je pense que l'album, tu mets ton vinyle, tu mets ta playlist, tu mets tes chansons, tu l'écoutes en bagnole banal, tu t'en jailles dessus, quoi. Moi, je vous le dis, je l'ai fait quand j'étais en train de tout réécouter sur Suno pour voir machin, j'étais en bagnole, je me suis mis la playlist Suno, donc celle-là, et j'étais en mode, putain, je roulais, je me suis dit, putain, mais c'est... Je chantais, c'est bien, frère, c'est bien, c'est vraiment bien, premier degré, quoi. Il y a vraiment des trucs que j'aime bien, tu vois. Donc ça s'écoute tout seul, premier degré, quoi. Tu voudrais quel ordre pour l'album? Ouais, Casu, Moi, je pense qu'on doit finir avec la version live, on doit finir avec Chronopost.
C'est tu vois. Et on doit commencer avec Pipé. Voilà. Ça doit commencer là-dessus. Après, on peut voir, vu que tu as streamer dur métier de Nickel Pipe, c'est une bonus track. Est-ce qu'on la met en avant-dernière? Est-ce qu'on les met à la suite? Je sais pas, il va falloir qu'on voit. Pour le vinyle, le plus dur va être l'ordre. Ouais, en vrai, pour le vinyle, ça va être l'ordre. Et voilà, je vous demande, petit sondage, tu peux nous refaire un petit vote, Casu, vraiment. Petit vote en mode, est-ce que ça vous intéresse? Tu vois, genre, ça vous intéresse? Oui, non, ou genre autre, je sais pas, genre j'ai pas de platine ou quoi, qu'est-ce. Pour le vinyle, ça permet de sonder. Si ça vous intéresse, même si je te dis n'importe quoi, s'il y a 100 personnes qui me disent que je suis intéressé et qu'au final il y en a 30 qui l'achètent, je m'en fous, c'est juste pour avoir une ordre d'idée parce que ça dépend du prix, ça dépend du truc, etc. Petit sondage, si on fait le vinyle collector donc de l'album, puisqu'on vient de le terminer aujourd'hui, je rappelle que dans le vinyle je mettrai une chanson, une, voire si je suis très chaud, deux, qui seront exclusives au vinyle, ok, en fonction du temps qu'on peut avoir sur le vinyle, et qui ne seront ni sur Spotify ni nulle part, elles seront que pour le vinyle, donc pour moi ce sera des trucs complètement exclusifs, et vu que maintenant je maîtrise un peu le bousin, ça va être très cool, ce sera pour le collector quoi. Donc voilà, c'est juste par curiosité, si vous n'êtes pas intéressé, il n'y a pas de souci, vous pouvez maintenant. C'est juste que je veux avoir un petit ordre d'idée de gens qui pourraient pour le fun kiffer. Et puis voilà, je sais que bon, en live, il n'y a pas tout le monde, on est 1300. Après, je vais faire la vidéo sur YouTube pour expliquer qu'on a fait tout l'album, etc. Machin. Je vais voir avec aussi le label ce qu'on peut faire, comment ça se passe. Mais je trouve ça très drôle. Donc voilà, j'ai pas de platine, ouais, j'entends. Hein, si t'as pas de platine, c'est vrai que c'est pas insane quoi. Ouais, mais faut que la cover soit banger. Alors, faut qu'on bosse. On bosse vraiment sur la sur la cover là-dessus. S'il y a Vinny, il y a aussi CD-ROM ou pas? Enfin, tu veux dire un CD? Non, mais non. Il y aura pas de CD. Je trouve ça pas fou comme item. Je préfère faire un item qui est vraiment marrant, qui pousse le truc. Tu vois, tu peux l'avoir dans ta bibliothèque. T'es en mode bon, bah, j'ai participé au projet, c'était marrant. Voilà. Je trouve ça très cool moi personnellement. Donc voilà. On verra déjà ce que nous dit aussi la belle, parce qu'on a envoyé un mail, on attend la réponse, enfin on communique avec eux pour savoir à partir de combien de précommandes bah, ils peuvent le faire. Donc il n'y a pas de souci, les gars, il y en a 100, si vous êtes 100 à le vouloir, hop, bah, t'es baisé quoi, c'est rupture de stock. Non, c'est de la précommande, mais je crois qu'il doit y avoir un niveau minimum de précommande quoi, un nombre minimum de précommande. Donc il y a ça, et évidemment la vraie question c'est le prix. Il faut voir combien ça peut coûter tout ça et comment on peut s'organiser. Je trouverais ça cool qu'on puisse avoir le meilleur prix possible. Je vous rappelle que le but de cette démarche là c'est bah, de clôturer cet arc là dessus le mieux pour moi ce serait que bah, au final ça me coûte pas d'argent quoi, à minima que je sois équilibre, et si je gagne un 10 balles comme c'est le cas depuis le début, je serais content, mais OZEF quoi, c'est pas du tout l'argent. Le but c'est d'avoir le meilleur prix possible pour le vinyle. On a regardé la dernière fois, il y a vraiment tous les prix en vinyle, mais globalement c'est entre 20 et 50 balles un vinyle en fonction de ce qu'il fait, mais je pense qu'on devrait pas être très très cher, j'espère. Donc voilà. Ouais, là vous êtes quoi, une cinquantaine, ouais 59, ok, globalement probablement intéressé, et puis bah après bah en fonction de on augmentera tout ça. Très bien, faut faire un concert pour clôturer cet arc. Je pense que je vais faire ça quoi. je vais préparer le concert et puis ce sera magnifique quoi. Bah vous rigolez, mais je vais devoir monter un groupe hein, les gars. Enfin monter un groupe, qu'est-ce que je raconte, je vais devoir non mais Simple Pie va devoir reprendre du service quoi. Ah, j'ai déjà des mecs à la batterie, à la guitare, on espère le disque d'or, et quand on aura la release de l'album, ça va envoyer en balle, dès qu'en fait on peut release l'album, je prépare une vidéo dessus, et dès qu'on release l'album complet sur les plateformes, il y aura une vidéo qui sortira, et ça veut dire aussi qu'on a la réponse pour le vinyle, donc à partir de là je communiquerai dessus, que ce soit en live ou par je vais préparer une vidéo montée vu qu'on a enfin terminé ici, une vidéo montée par les soins de Casu pour la chaîne principale, et ce sera très bien. Pensez à un label si tu veux, on a déjà un label aussi, Rafar, t'inquiète. J'aurais pas en fait nous on n'a pas cherché de label, c'est juste qu'on voulait le délire part de, je voulais juste faire l'album et le mettre sur les plateformes de streaming, mais t'es obligé de passer par un distributeur, et les distributeurs travaillent avec des labels, bon bref voilà, on est passé par un truc un peu random hein, on s'en fout complètement, donc voilà. Je suis sûr qu'un groupe de reprise pourrait être chaud, mais totalement, ça pourrait être croyable quoi. En attendant le zénith, ouais, on espère, bref je suis trop content.
Si la Zizi Kaka mixtape a marché, non, alors là tu peux pas comparer. Non, non, non. Je remets encore un disclaimer là-dessus. Je ne me prétends pas artiste. Oui, je fais de la guitare, je gratte un peu, je chante à mes heures perdues pour rigoler. Je suis un très très piètre chanteur, je chante très mal. Voilà, ici le but c'était de s'amuser. Et je pense, très premier degré d'ailleurs, que Suno c'est un formidable outil, même pour les icos, pour les musiciens, pour tu vois. Tu connais le truc de la page blanche, le syndrome de la page blanche quand t'es écrivain, etc. Là, t'es en mode, tiens, j'ai envie d'écrire un truc, mais j'ai pas d'idée de... Ah, derrière, qu'est-ce que je pourrais produire et tout. Quand t'es bon, ça peut être un... Je pense que ça peut être un bon outil d'appoint, tu vois, où tu te dis, ah, attends, comment il le chanterait ça. Ok, paf, bim, bam. C'est pas dégueulasse, quoi. Suno, je trouve ça très intéressant. Ça remplacera jamais, évidemment, les vrais artistes. Ça s'entend, ça se voit, tu peux pas... Voilà, mais il faut quand même se rendre compte de ce qu'on est arrivé à produire aujourd'hui, hein, d'accord, en quelques mois de temps, en partant de juste d'écriture, de bidouillage, et n'importe qui aujourd'hui peut tenter des choses. Et ça, c'est vraiment, vraiment bien, quoi. Simple Pipe en open concert au The Event 2025, bah avec plaisir. Putain, je peux pas faire le The Event cette année, ça casse les couilles, mais c'est comme ça. Mais ouais, complètement fou. Pourrais-tu nous montrer le nombre de vues par musique sur tu parles sur YouTube carrément Spotify, là pour l'instant vous pouvez les voir sur Spotify aussi, hein. Mais là ça y est, Simple Pipe, Chronopost, et vous allez tous aller streamer Chronopost, hein, je vous dis direct, hein, juste après. Mais globalement, en plus il a sorti Le Pire Magasin aussi, voilà, vous allez bien manger là sur la chaîne Replay, il y a beaucoup de trucs là. Casu est de retour, tac tac tac. Alors quand je t'ai vu Pipé, on est à 121k. On est à 121 000 écoutes, hein, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est insane. 121 000 écoutes, c'est hallucinant. Big Calvici, qui est un peu extend, tu vois ici. 63 000 écoutes, ici même, les gars. Ah ouais, c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup, hein. Alors évidemment, sur YouTube, ça rapporte que dalle, hein, c'est des trucs qui font 2 minutes, donc vous savez que si votre vidéo ne fait pas 2 heures, elle vous rapporte pas des milliards, mais je sais pas, Pipé, ça a peut-être rapporté, ça a rapporté un beau 50 balles, je pense, au moins, un minimum. Ma femme, pas jalouse, 44 000 vues, donc 44 000 écoutes au final, parce que ça marche aussi sur YouTube Premium, enfin sur YouTube Music. FT Simi, 29K, je vous ai dit, c'est peut-être la moins populaire. URSAF, hallucinant, 50 000 écoutes, donc ça écoute, hein, de l'URSAF. SFR, 41K SFR, voilà, c'est arrivé après. Banger aussi, beaucoup de gens adorent SFR, se l'écoute vraiment en balle. Montargis, on est sur 21K, un peu plus niche comme son, évidemment, mais très cool. Streamer, 21K aussi, dur métier. Le featuring avec Nickel Pipe sorti un peu plus tard. A trouvé un peu moins son public, elle est à 12K, alors que là on a vu sur le live qu'il y a plein de gens qui sont en mode c'est insane. SNCF, elle est à 20K, banger la SNCF, honnêtement c'est hallucinant, le vraiment le secret de banger. Et donc maintenant, elle n'est pas encore dans la playlist, je pense qu'il a, soit elle s'affiche pas, soit il a peut-être pas encore à ajouter, mais Chronopost. Chronopost, les gars, c'est le banger de l'année. Voilà. Les souvenirs de ce concert, bon sang. J'avais reçu un morceau de la guitare de Simple Pipe quand il avait éclaté sur la scène à la fin. DR, je l'ai encore chez moi. Mais quel connard, Solar X. C'est toi, Hydraudo, mais putain, mais t'es trop fort. Évidemment, je me souviens très bien. Le truc en mode MDR, je l'ai encore chez moi, ça fait vraiment le commentaire très très réel. Concert de fou, j'y fus, quel banger. Oh là 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 là, putain, ouais, c'est vrai que c'est dingus. Donc voilà, on peut le dire, on clôt un chapitre. Maintenant, je vous tiens au courant évidemment pour la suite et pour le titre secret sur le vinyle. Évidemment, je vous tiendrai au courant un peu plus tard. Un peu plus tard, je garde ça pour moi. J'ai déjà évidemment quelques idées. Bon, bah je vous laisse là, je me suis régalé, j'ai passé un super live les gars, on est quoi, on est mercredi, chier, demain j'ai pas live, demain je suis en tournage, je tourne une pub pour Summoners War, donc malheureusement je ne serai pas là, mais on se retrouve vendredi pour le React, les copains, donc bah passez une bonne journée demain, merci pour les subs, resub encore une fois à la chaîne, hein. Je crois que on a repassé la barre des plus de 2000 subs, c'est n'importe quoi, c'est la folie, c'est sublime, merci beaucoup encore une fois d'être présent. Ici, je vous embrasse, bonne soirée, et puis bah, on se retrouve vendredi pour le React. Ciao, ciao, à vendredi. Et je vous laisse évidemment avec un pur banger, je vous laisse deviner lequel.
Le rendez-vous est pris à la gendarmerie.